Attends, 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 attends. J'ai voulu. Attends, parce que là, ça déconne plus là. Je coupe tout là. J'ai voulu foutre la vidéo du mec qui crache les saucisses par la gorge, mais la vidéo, elle est privée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Non, ça, c'est pas normal. Si, c'est encore lui, c'est bon? Elle est là? Attends. Non, si, c'est bon. Attends, c'est lui? Ouais, ok, mais elle est coupée, y'a pas le reste. Putain, mec! Putain! Je fais comment, moi? C'était mon seul rempart, si tu veux, face à la certitude de la mort. C'était le seul truc qui me... Mais mec! Qu'est-ce que... Si on retrouve... Attention, hein, je vais mener l'enquête. Si on retrouve le mec... Attention, hein. Ah, oh, putain! Ah bah, je suis désolé, non, je suis désolé, pas de stream ce soir. Non, mais c'est... Attends. C'est comme si on disait, oui, la vidéo où Mélenchon, il se fout sur la gueule, n'existe plus. Attends. Non, c'est bon. Ouais, mais oh, on touche pas aux camarades! Si, c'est bon, celle-là. C'est bon, celle-là, ça va. Est-ce qu'il y a encore celle-là? Valjean. Ouais, c'est bon, il y a encore Valjean. Bon, écoute, il y a tout mon fond de commerce d'humour, ça va. On peut continuer tranquille. Ça va ou quoi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Week-end, j'ai envie de dire, j'ai envie d'appeler ça le week-end post-Forgecast. Est-ce que vous passez un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon lundi? Est-ce que votre lundi, quand vous avez répondu, oh bah comme un lundi, est-ce qu'il a été bien votre lundi? Ah, ça va, j'ai pas peur. Ouais, alors Yadar, il est en train un petit peu de se chier dessus parce que demain c'est les partiels, donc on va tous lui souhaiter collectivement bonne chance et bon courage sur le chat. Bonne chance Yadar! Ouais! Ouah, truc de fou! Ouah, Yadar! Ouais! F, ok, d'accord, très bien. Et bah moi j'ai passé une journée de merde parce que tout à l'heure j'ai été voir en ville pour choper la HD collection de Metal Gear. Donc avec le 2, 3 et Peace Walker, parce que j'ai envie de commencer par le 3, tu vois. J'ai envie de, le premier stream de Metal Gear que je ferais, ça aurait même pu être ce soir, mais écoute, du coup, j'ai pas trouvé. J'ai fait 5 magasins différents, tous les magasins de jeux vidéo que je connaissais sur Nantes, et il y en a pas un seul. Ça m'a dit, oui, ah non, par contre, si vous voulez, j'ai MGS4. Je fais, bah non. Ah bah si vous voulez, par contre, y a un mec, je suis allé dans un Easy Cash, mec. Il me dit, non, par contre, j'ai la HD Collection sur 360. Et je lui fais, non mais je veux sur PS3, j'ai pas 360. Il fait, ah bah on vend les 360. Le mec il se débine pas du tout. Le super vendeur, lui c'est un tueur. Et non, du coup j'ai pas réussi à trouver. Donc écoute. Ah ouais, le marchand de ouf. Ah non mais le gars il aurait pu me vendre tout ce qu'il voulait. C'est con parce qu'il y a beaucoup de choix en plus dans le Easy Cash qui a, pour ceux qui connaissent à Commerce à Nantes, il y a un Easy Cash qui a ouvert il y a pas longtemps. Et il l'a sur 360 alors qu'il a 115 boules sur Amazon, mais pas la version PS3. Mais ouais, mais tout le monde, mec. Trois autres magasins, il l'avait sur 3.6. Mais tu vas faire le mode Ape Escape sur MGS3. Je pourrais le montrer, ouais, le mode Ape Escape. Et j'avais regardé hier un run sur MGS... Ground Zeroes. Et Ground Zeroes, j'avais fait juste vite fait l'émission, voilà, je l'avais un peu skip parce que... Enfin, je l'avais fait juste normalement sans essayer de chercher autour. D'habitude, MGS, tu veux, si t'as pas fait 5 playthroughs tous différents, c'est qu'il y a eu un souci, tu vois. Mais j'ai regardé un truc de Ground Zeroes et en fait, il y a plein de missions de Ground Zeroes que j'ai pas fait. Notamment la mission où tous les modèles sont low poly. Toi et les ennemis sont tous low poly et sur l'île, il neige. Et en fait, c'est un truc réminiscent de Shadow Moses et ça s'appelle Jamais Vu, je crois. Ouais, bah voilà, celle de Raiden, je l'ai pas faite non plus, et je crois que la mission avec sur Shadow Moses en fait, s'appelle Jamais Vu, et je l'ai pas fait non plus celle-là. Et ouais, tous les ennemis, ils sont en low poly, et en gros, tu peux trouver les titres de Déjà Vu. Ah, Jamais Vu, c'est peut-être celle avec Raiden, du coup. Oui, c'est peut-être Déjà Vu, Momo, ouais. Et il y a les titres de MGS qui sont collés, ouais, sur les murs, et il faut les faire disparaître avec un laser, c'est une lampe, comme il fait d'ailleurs Skullface. Il fait ça sur un moment, il fait disparaître les Diamond Dogs comme ça. Et à un moment, donc tu te rapproches à côté d'un titre de MGS qui est collé au mur, et c'est MGS Metal Gear Rising Revengeance. Alors le mec il codec Kaz, et Kaz il lui fait ça me dit rien, ça doit pas être d'importance. Et l'autre il fout sa lampe dessus et le titre il disparaît pas, il fait non, c'est rien, c'est de la merde. Revengeance quoi.
Franchement, ça m'a saoulé. Tu sais quoi, ça m'a saoulé. Comme hier, je suis en train de jouer MGS4 pour tester la PS3, donc tout va bien, j'ai réussi à régler les problèmes que j'avais et tout. Et à un moment, pendant un temps de chargement, enfin même entre deux actes, j'avais oublié ce truc-là. Il dit, ouais, ça fait 3 heures que tu joues quand même, tu voudrais pas te reposer un peu et aller marcher? Je lui dis, attends, écoute-moi bien, Kojima. Écoute-moi bien, ouvre tes esgourdes. Si j'ai envie de claquer d'une crise cardiaque en jouant 13 heures de suite à MGS3 ou MGS4, je te chie dessus. Franchement, hein. Si j'ai envie de jouer pendant 13 heures à Metal Gear Survive, je te promets que je le ferai. Ah oui, sur Death Stranding, il y a quelques messages aussi. Ouais, bah c'est un petit peu son truc. Il aime bien faire ça. C'est un petit peu. Mais putain, ils ont viré aussi l'opening de. Merde. Je voulais foutre Battle Tendency. L'opening de Battle Tendency, ils l'ont viré. Bah attends, mais. Fous de ma gueule quand même, non? C'est bon, il est là. C'est ça, c'est Bloody Stream. Bon, c'est bon, ça va. Oh la vache! Je sais pas s'il y a eu une razzia sur mes favoris là, poteau. Donc oui, bref, ce soir on va faire du Wrath Aeon of Ruin, donc un jeu publié par 3D Realms qui m'a bloqué donc sur Twitter et qui m'a banni de son Discord, comme j'aime bien le répéter parce que ça me fait plaisir. Et ça a été développé par Killpixel. Alors c'est un mec tout seul, Killpixel, et en fait. Dans ma tête, en fait, j'avais pas fait trop le rapprochement qui était le dev, mais non, c'est un mec tout seul, et pour ce qu'il a fait, c'est quand même super impressionnant. Alors, c'est une early access, donc il y a que deux niveaux, c'est deux niveaux assez extensifs, donc on verra combien de temps on passe dessus. Et pour après, comme j'avais rien de trop rétro à faire à la base, je devais pas prendre lundi, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai un truc qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Attends, comment ça s'appelle? Golf. La guerre du golf? Golf quoi? Non, merde. Bah c'est où? What the golf? Haha! What the golf? Et c'est un jeu de tout sauf de golf. Et je me dis, ça peut être rigolo. Donc, voilà. Et du coup, on va faire ça. C'est impressionnant à quel point c'est de la merde. De quoi tu parles? Gros débile. Cet accent sur la moitié du titre, Wrath, Aeon of Ruin. Écoute, j'essaie de pas larguer tout le monde, ok? Avec mon accent flawless de bilingual, s'il te plaît, donc je te chie à la gueule en fait, quelque part, et j'étale après, avec mon propre front. Bon, on va lancer un jour, tu vas voir. Non mais je le connais le jeu, j'ai déjà joué Jean-Jean, je sais pas pourquoi tu dis que c'est de la merde, parce que je le trouve génial moi le jeu. Hein. Mais en même temps, d'un mec qui arrête pas de me tease Unloved, qui a l'air d'être littéralement juste un inbox Xbox Live Indie Games, si tu veux, je me dis que nos goûts, ils sont pas tout à fait... si on fait deux diagrammes de Venn, si tu veux, y a rien, y a aucun moyen, aucun moment où ça se croise, quoi. Mais écoute, c'est pas grave, tant pis. Écoute, chacun ses goûts. Si tu veux, je respecte les goûts de tout le monde. Tu vas avoir des goûts de merde, force à toi, force et honneur. Bref, allez, Wrath, Ian... Of Ruin. Déjà, c'est beau. Déjà, là, t'es là, tu dis... Bon, c'est beau. Et donc, ouais, le mec a fait ça tout seul. Donc, c'est un rétro-shooter comme il y en a des milliers. Comment on l'appelle, notre profil? Allez-y. Allez-y, les gars. Donnez vos trucs les plus vénères. Malgache. C'est où, Stalker? Quel connard. Skadwim. Mr. Niggerman. Alors, on va faire en... Allez, en normal. Tu sais quoi, on fait en normal au début et on teste au guet. Oh, c'est pas mal ça. Refais. Enlève-moi, enlève. Casse-toi, je voulais mettre au guet. Non, je voulais mettre au guet. Est-ce que j'ai mis en hard? Je crois que j'ai mis en hard sans faire exprès. C'est pas grave, on s'en fout, on va faire en hard. On est un pro-gamer, on est pas un pro-gamer. Je pense pas que le jeu soit très difficile de toute façon. Donc bah les couilles. C'est pas grave. Ça pose pas de problème. Regarde comment c'est joli, on dirait... Je sais pas ce qu'on dirait. On dirait... Alors ça va être super spécifique. Hein. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont lu la BD Little Kevin? Non, je crois pas avoir mis en Outlander, je crois que j'ai mis en hard. Little Kevin. Alors, Little Kevin, c'est une BD française qui a été d'un mec, d'un artiste qui s'appelle Coyote.
Et dans une de mes BD Little Kevin, il y a Coyote qui a fait une dédicace. Et comme il avait pas de stylo ni rien, il a fait ça avec son doigt et avec du café. Et il a fait, c'est un truc super, il a fait le logo de Harley, tu sais, avec un mec qui gueule en dessous. Enfin, c'est génial, et il a fait tout ça au café, ça rend ultra bien, et on dirait ça. Voilà, j'avais surtout envie de dire que j'avais une dédicace de Coyote. Coyote est mort, j'y crois, mais il y en avait chez ta mère. Ouais, bah voilà, ils sont là-bas, mais Little Kevin. Tu sais ce qui manque en vrai, faire un nom de profil qui te débloque des trucs qui sont pas dans le jeu de base, comme dans Black, je sais pas si tu te souviens. Mais ça arrivait avant... Attends, moi dans ma tête, j'ai le... Je crois que c'est dans True Crime. Ah mais c'est pas pareil, je crois que c'est pour les plaques d'immatriculation. Quand tu pouvais choisir ta plaque d'immatriculation dans True Crime, et quand tu mettais quelque chose de particulier, ça changeait ton skin. Mais bon. Voilà, c'est type 1. Regarde, c'est pas beau ça. On dirait la lame à la fin de... le creuset en fait, dans Doom 2016. Alors c'est du low poly, je trouve ça magnifique. Hop, donc au début on a cette merde. J'ai joué un tout petit peu au jeu, donc je vais pouvoir vous l'expliquer vite fait. Je vais baisser un petit peu parce que les cœurs, c'est gentil, mais faut pas me casser les couilles. Et donc on peut la charger, et quand tu la charges, ça fait whoop, ça t'envoie en avant, et du coup ça te permet de faire des doubles sauts dans le genre. Et je pense que s'il y a des speedruns du jeu, ça va se faire comme ça, tu vois. C'est pas mal, non? J'aime bien ce côté-là, moi. Je trouve ça intéressant. Alors, on vient de choper un truc qui s'appelle un Soul Tether. Et le Soul Tether, ce que c'est les saves. Parce qu'il n'y a pas de quick save dans le jeu du tout. Tout ce qu'il y a, c'est ça, c'est les Soul Tether. Donc c'est une ressource finie. En fait, je vois qu'il y a pas mal les tétés de l'âme. C'est... Les Soul Tétons. Les tétés de l'âme. Et donc il n'y a pas d'autre moyen de quick save. Genre en fait, polyp. Et voilà, ma quick save, elle est ici. Alors... C'est discutable comme système, je trouve ça original. Maintenant, faut voir ce que ça donne sur le long terme, parce que c'est quand même assez particulier. Donc ici, je crois que c'est le hub du jeu. Rien qu'ici, on voit, enfin c'est magnifique, regarde. Est-ce que c'est pas sublime? Est-ce que dans la neige, t'as pas un petit peu des flashbacks de Demain ne meurt jamais sur PS1? Tac, moi j'encule ta famille, même s'ils sont morts. Littéralement, je nique tes grands-morts, en fait. Mais je trouve le jeu vraiment, vraiment magnifique. Attends, tu sais quoi, je vais pas finir cette clope, je vais la laisser là, voilà. Je trouve le jeu vraiment sublime. Moi, c'est le genre de graphisme avec lesquels je raisonne de ouf. J'arriverai pas à monter là-dessus. Hein. C'est peut-être chelou, mais ça me fait penser à Castlevania. C'est pas déconnant, non, je trouve. Non, ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire. La neige Ruru, une grande histoire d'amour. Ah bah écoute, tu me connais, je suis un grand neigeux devant l'éternel. Mais je sais pas si on aura de la neige cette année d'ailleurs, mais franchement c'est mal barré, hein, tu sais. On est début janvier, il fait 12 degrés dehors, c'est bon. Je suis trop saoulé. On dirait Yvain. C'est bon, je suis trop saoulé. C'est pour être tous les jours, ça rend pas la peine. J'en ai voir des PTSD de Grace Jones. De Grace Jones? Celle dans Conan 2? Pourquoi? Moins un degré sur Angers? Ouais, mais c'est trop humide. Si je puis dire, si vous me permettez l'expression, c'est trop humide pour qu'il neige, non? C'est à cause de Greta Thunberg. Ah non, s'il vous plaît, hein, pas Greta Thunberg, c'est bon, hein. On l'a assez ken, si je peux dire. Ça, mais nous, parce qu'en fait, j'ai jamais trop visité, c'est quoi ça? Donc ça, j'imagine que c'est peut-être le deuxième niveau. Ah! C'est quoi ici? Ouh! T'as une grosse armure! Mais pourquoi t'as des flashbacks de Grace Jones? Il caille sa mère. Je trouve pas qu'il caille plus que ça. Bon, ok, je suis en pull, mais enfin, j'ai quasiment pas foutu le chauffage du tout du début de l'année, moi. Donc, ça met nous là-bas, là. Désolé, je visite un petit peu. En fait, je sais pas vraiment si les niveaux vont être très très longs. Donc, j'en profite un petit peu pour voir. Oh la vache! Oh putain! Oh putain, ça c'est beau, Michel! Regarde ça! Regarde ça, dis! Regarde, dès que je suis en admiration, je deviens complètement toulousain. Je deviens toulousain, putain. Ha! Oh putain. Non, mais ça, tu sais quoi? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de MGS3. J'avais envie de récupérer un Mushroom Bee. Merci, Xuxu. Les lundis ou le 10, c'est souvent les meilleures soirées. Oh, ça, c'est gentil. C'est pas vrai, mais c'est gentil. L'autre jour, j'ai maté le James Bond dans lequel elle joue, et depuis, j'ai l'impression de l'avoir partout. Et c'est dans quel James Bond qu'elle joue, Grace Jones? C'est marrant, je m'en souviens pas. C'est pas dans Meurs un autre... Bah non, c'est pas dans Meurs un autre jour, parce que c'est... Elle a pas joué récemment, quand même. Hop, nice, encore un secret. Putain, si ça, c'est le hub, j'imagine même pas les niveaux.
Donc ouais, pour l'instant il y a que deux niveaux. On est à la première phase en fait de la roadmap. Le gars il va en rajouter, je crois, quatre autres, trois ou quatre autres, je crois. Les diamants meurent demain. Le meurt demain ne jamais ne m'a pas mourir. J'adore les titres de James Bond. En fait, il faut prendre des vérités absolues et mettre mourir dedans. Et par exemple, tu peux lancer genre mourir c'est pour toujours. Tu vois? Mourir à jamais, mourir demain. Et c'est super facile en fait. Mourir peut attendre. Ça c'est par contre celle-là elle existe mais quand FPS à l'ancienne est streamé, j'adore. Ah bah écoute, c'est parce qu'on est plus ou moins des experts, on est plus ou moins rock paper shotgun finalement. Naufrague, je veux dire. Pas RPS putain. Non, Naufrague. Ah oui, donc je crois que les portes rouges on n'a pas accès et les portes violettes du coup sont ouvertes. Ok, donc ça, je pense que c'est le deuxième niveau. Regarde, c'est pas beau. Ah non! Non, je voulais pas! Bon, bah tant pis. On va aller dans The Mirror. Bah, c'est celle que j'ai pas faite. Tiens, c'est le niveau que j'ai pas fait, du coup, tant pis. C'est quoi cette musique de Doom en enfer? Je sais pas, le jeu il s'inspire surtout de Quake, je crois. Hein. L'alerte, c'est pas affiché sur l'écran? Eh bah, c'est pas normal. Ah! Ah oui, en fait, il me manquait carrément toutes mes alertes. Attends. J'ai encore le logo de Noël. Tiens, je vais mettre. Vous voulez lequel de logo? Vous voulez le logo de la neige ou vous voulez le logo de normal? Allez, décidez. Franchement, tu sais quoi? Je vous laisse décider de celui-là. Je sais pas. Ou les deux en même temps, comme ça. On dirait que je suis à moitié bourré. J'ai l'impression d'avoir fait un AVC. Classique, normal, neige, normal, logo normal. C'est encore l'hiver, neige, neige. J'ai l'impression de réciter un poème de Maurice Carême. C'est Félix Noël, neige. Ouais, j'ai l'impression quand même c'est la neige qui marche. Allez, c'est parti. On va rester un petit peu en neige, d'accord? On continue un petit peu Noël pour un petit moment. Allez, c'est type Arvamaya. Donc du coup, je connais pas du tout cette map-là. Tac, et j'ai juste en fait vraiment, vraiment hâte de vous montrer les guns du jeu. Ok. D'accord. Est-ce qu'ils sont pas sublimes? Regarde, est-ce qu'ils sont... Ouh, dis donc. Yeah. Tiens, mange ta mère. Attends, bouge pas. Regarde les Gibbs. C'est pas joli tout ça? Attends. J'adore ce truc. Le démembrement il est pas mal en plus. C'est satisfaisant quand même. Donc ok, donc ça c'est les ennemis de merde. Alors je crois que là-dedans, bestiaire, voilà. Donc ça c'est des phalins, comme on dit, des phalins. Regarde s'ils sont pas beaux. C'est cool, y a pas de description. Je pensais que dans le journal il y aurait eu un truc In the dawn of the first age, in the first battle, when the shadows first lengthen. Bon, il le fait pas tout à fait comme ça, mais... Ok, alors là, c'est pareil. Donc, comme c'est un quick-like, il va y avoir des milliards de secrets que je n'aurai pas. Je crois qu'il y en a même plus que dans Iron Maiden. Est-ce que c'était déjà assez insupportable dans Iron Maiden avec les... Vous avez encore 72 secrets dans cette map. C'est chiant, les vinyles. Oui, parce qu'Adwim, donc... Je parle un petit peu de ta vie privée, Adwim. Donc entre deux masturbations anales, il a acheté les vinyles de Doom et il m'a fait écouter le début donc de la première track où justement il y a le premier codex avec le gars qui fait In the dawn of the first age, in the first battle. Donc premier gun, regarde, premier gun, ça s'appelle le coach gun. Je sais pas pourquoi ce sera un coach. J'ai adoré Left 4 Dead 2 mais je vois aucun rapport avec un homme noir. Donc ça c'est le premier gun. Tous les guns ont deux modes de tir. Déjà il est super stylé, on est d'accord. Est-ce que j'ai Arsenal Coach Gun, voilà, donc il est super cool. Il y a un petit côté Hellboy. Un spider. Attends. Hop. Voilà, je suis plein, ok. Il y a un petit côté Hellboy, donc il y a deux modes de tir. On peut tirer normalement, qui ne sert virtuellement à rien en fait. Il n'y a pas donc de chargeur vu que c'est un quake-like et on n'a pas besoin de recharger. Et il y a un tir secondaire qui tire les trois d'un coup. Avec un bruit, ma foi, des plus satisfaisants. Pourquoi tu disais au début du stream que les gens gueulaient sur Steam pour le jeu? Alors, je sais pas en fait, j'ai pas très bien compris. Il y en a un qui gueulait sur les déplacements, il y en a un qui disait « Ouais, ça se veut Quake, mais c'est pas du tout Quake. Je vais, si t'as envie de Quake, tu joues à Quake, pas pourquoi t'emmerdes tout le monde. Tac, regarde, toi, tu manges ça dans ta gueule. Ouh! Alors ça, c'est, si c'est pas Quake, ça, mon gars, ça, c'est Quake de fou, ça. Hop. Ça gueulait aussi donc pour le mode, la façon qu'on a de sauvegarder, donc avec les Soul Tether, donc après ça je peux comprendre. Donc du coup on a eu 3 ennemis d'un coup là, c'est un petit peu vénère. Ils font mal en plus, du long. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Bah oui, t'es où, c'est laquelle? Ah, il a fondu, ok très bien.
Donc je pense que, je sais pas si le level design est fait pour commencer directement par le deuxième monde. J'ai l'impression que c'est un petit peu con ce que je viens de faire, mais écoute, c'est pas grave. En tout cas, j'adore les guns, je les trouve super satisfaisants. Il me faudrait autre chose pour ça. Donc ouais, ça gueule un petit peu, mais bon, ça... Je pense que comme le jeu s'adresse à quand même un public, j'ai pas envie de dire de niche non plus, mais c'est quand même un public très particulier, le public des hardcore gamer boomer. Mais les gars, ils peuvent pas s'empêcher de faire des comparaisons foireuses avec d'autres jeux qu'ils connaissent. Et donc ça gueule un petit peu pour ça, mais écoute, il y en a toujours des gens qui gueulent, hein, faut pas s'attarder dessus. Je pense qu'on va se faire un petit avis surtout à la fin de la démo pour voir un petit peu, faire un petit état des lieux du truc. Ça joue à des jeux de boomer, mais ça veut pas save des petits zoomies. C'est vrai que Quake 1 pour le côté médiéval mystique, je trouve. Ouais, et sur la première map, je pense que c'était un peu plus visible, mais ouais, c'est extrêmement Quake dans l'approche médiéval fantastique, en même temps vénère et tout regarde. Ouais, tu trouves pas qu'il y a un petit côté aussi médiéville? Alors c'est foireux hein, comme comparaison, mais je sais pas, avec les châteaux, avec il y a 60 lunes différentes. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait que j'ai augmenté la luminosité à fond parce qu'il y a des moments où je voyais vraiment rien. Je vais voir s'il faudra pas que je la baisse un petit peu pour le côté un peu moody. J'avoue que c'est un petit peu vénère. Attends, fais voir. Alors déjà, je vais faire un petit soul tether. Soul shaking, sound breaking, fuck. Contraste. Je sais pas, gamma on va le baisser, j'imagine que c'était comme ça. Donc avant c'était comme ça je crois. Tac, on va voir. Et genre quand on arrivait là, bon déjà c'est beaucoup plus moody, ça c'est peut-être plus joli comme ça, mais c'est juste un peu moins net. Mais tu vois c'est beaucoup plus sombre. Medieval en beau. Oh bah il y a une patte quand même à Medieval, c'est méchant ce que tu dis. J'aime bien Medieval, qui c'est qui me tient du dent. Qu'est-ce que c'est que... Tu vas la fermer ta gueule. Eh putain, 8 PV par contre, je vais devoir faire un petit peu gaffe. Attends, c'est quoi, je vais me barrer. Ils mourront jamais si je cours vite. Ouais. Oh non. Ah ça c'est dégueulasse. Ah ça franchement c'est dégueulasse. Oui c'est vrai que ça fait un peu painkiller aussi ouais. Ouais. Attends. Attends déplacement. Hop. Ouais je vous encule, je suis quasiment immortel maintenant. Attends non les projectiles avant. Comme d'habitude on n'oublie pas nos leçons de Doom. D'abord les hitmarkers. Enfin les comment on appelle ça? Comment on appelle ça les gars quand il n'y a pas de projectiles? Les hitscanners. Putain les hitmarkers. D'abord les hitscanners, ensuite les projectiles et ensuite les corps à corps. Toujours. D'abord la jambe gauche. Bon ici je crois pas qu'il y ait de hitmarkers. De hitscanners. Putain qu'est-ce que j'ai avec ça moi? J'ai toujours pas joué à Modern Warfare. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Il y en a pas je crois des hitscanners là-dedans. Mais on prend quand même... Ah oui mais je suis en hard aussi non? Oui du coup... Quel connard ce mec. J'adore Medieval mais la PS1 bordel. Ah bah ouais non mais ça c'est clair hein. Et on en reparlait récemment de la PS1 on en reparlait d'ailleurs pendant le Forgecast avec Adwim qui nous parlait de la distance de vue sur Tenchu 1 sur PS4 qui s'arrête en fait littéralement à ton gros orteil. Tu peux pas voir plus loin que là où ton gros orteil est posé. Mais bon, c'est un style. Non mais c'est le brouillard de guerre. Non. Non. C'est une limitation, c'est tout, t'es limité. Alors on vient de choper un artefact. Un artefact c'est un genre de... Tu peux en avoir plusieurs sur toi. C'est un consommable et ça te permet de faire plusieurs trucs. Là c'est le life siphon. Donc je peux... Dis donc tu vas... Ah je t'ai enlevé la... C'est... Bah bon bah, écoute, va niquer ta mère. Tu peux du coup sucer les gens à convenance. Ce qui est plutôt utile je trouve. D'abord le nichon gauche. Putain arrête avec le nichon gauche Momo, franchement. Franchement tu sais quoi, un jour on fera une lecture dramatique de Psychopath sur LMF. Alors là par contre on va arriver à quelque chose. Donc le coach gun c'était pas mal, d'accord, c'était bien. Mais là on va arriver à quelque chose de bien plus sérieux, à quelque chose de bien plus adulte. Oh là 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 là. Oh si c'est type pas beau ça, c'est où? Ah vous avez niqué votre script, je suis toujours en haut les cons. Ah ça fait chier ça hein. J'ai foutu un soul tether ici. Hein? Non putain, ça franchement c'est bâtard. Ça c'est super... Aïe. Oh putain il y a des milliers, ok. Alors avec ce gun là, qu'est-ce qu'on a?
On a la cartouche ADD, qui est d'ailleurs le sound design. L'effet sur ce gun, que ce soit le maniement, le sound design, etc., c'est impeccable. Et le coup secondaire, on charge. Et ça tire un espèce de flak à la Unreal, en fait. Donc ça éclate tout le monde, hein. Mais ça tire un genre de munition flak à fragmentation. Un peu à la Unreal Tournament. Et j'aime bien. J'aime bien, ouais. Mais putain, oh mon gars. Ah là là. Ah ce gun. Oh. Oh là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la vache, il y a du monde. Alors je sais pas ce que donne le mode hard, si ça augmente le nombre d'ennemis ou si c'est juste au niveau des points de vie, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde pour la première partie du niveau. Parce que oui, du coup, ils ont décidé, plutôt que de faire plusieurs niveaux fragmentés, de faire deux grands niveaux, en fait. Donc c'est plus des mondes que des niveaux. C'est donc très, très loin de Quake, hein, parce que Quake, les niveaux peuvent se finir quand même assez rapidement. Et donc là, pour exemple, on était dans une espèce d'environnement jungle à la con. Et là, maintenant, on est plus dans des catacombes et tout. Donc en fait, ils font des genres de scissions entre niveaux, mais bien plus, j'ai envie de dire, diégétiques. Ah oui, je l'ai dit. Et du coup, je trouve ça pas mal. Ah putain, c'est un niveau dans les égouts. Alors ça, par contre, franchement, ça c'est super bâtard. Ça c'est super bâtard, par contre. De me teaser comme ça avec un truc de ouf et ensuite me foutre un niveau dans les égouts, franchement, c'est dégueulasse. Diégé quoi, Maurice? Aïe, aïe, aïe. Voilà, je mange. Ta gueule. Voilà. Diététique. C'est vrai que c'est bien plus diététique comme ça, c'est moins lourd. Quand même sur l'estomac. Hein. Ouais, vous pouvez chipser par contre les deux, hein. Bande de gros guets. Hop, tac. Ah non! Oh la vache! Putain, mais ils font super mal, eux! Faut que je fasse vraiment gaffe à eux, mec. Hein. Attends, je vais réessayer. Parce qu'il dit où? Il est où le plafond, du coup? Attends. Ah. Non! Putain, il faut que je fasse un coup de. Attends, vas-y, butez-moi! Parce que là, franchement, c'est. J'espère que mon soul taser, il sera toujours là. Je remarque que c'est un quick save. Ok. J'ai essayé de faire ça avec la Ruination Blade. Regarde. On fait ça. Yeah, yeah. C'est même pas un truc caché? Ouais, bah oui, mais super. Oh la vache! Non, loupé. Oh, nice. Attends. Soir, je viens de voir ce qui se passe par ici. Franchement, pour l'instant, on est en train d'éclater des genres de morts-vivants. Attends, parce que c'est quoi qu'on a chopé, du coup? Donc là, on est dans The Mire. Ok, ah non, c'est peut-être pas fini. Ah, mais y a pas de pause, en fait. Ok, bah je suis le premier averti. Pas inverti, averti. Donc on avait des Wraiths, le truc qui est insupportable à dire pour un français qui a pas trop envie de mettre d'efforts dedans. Qui sont, écoute, ça a une bouche de vagin comme tout, hein, et puis ça a une forme de... on dirait un genre de sèche. On va appeler les sèches plutôt. Ça c'est des Afflicted, donc déjà on dirait un groupe de punk. Bon, c'est peut-être The Exploited, je sais plus. C'est ceux qui ont des pustules dégueulasses. Et ça c'est les Invaders, ça c'est stylé. Vader, très bon groupe aussi, Vader. Ok, et bah écoute, on a des noms. Ça va pas toi, mec, hein. Ça va pas, hein. Ça va vraiment pas, hein. Ça se voit, non mais ça se voit, il était en détresse. Franchement, j'aurais dû le laisser. Voilà. Oh putain. Oh putain. Voilà. Oh si, c'est super satisfaisant, mec. Alors je sais pas pourquoi, Jean-Jean, tu dis que c'est un jeu de merde. Quel est... j'ai envie de... d'entendre tes arguments, parce que pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, pour l'instant, mais ah, moi je trouve ça bien correct, hein. Fort correct, même. Tiens, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Ok, hop. Et surtout au niveau du sound design, en fait, et du attends, faut vraiment que j'éclate. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah, regardez, ça a l'air cool. Bah, je vois aussi, le jeu a pas l'air simple. Mais c'est super sympa à jouer, quoi. Franchement, j'ai joué à des Doomwad qui étaient moins vénères. Hein. Hop. Vous, oh la vache, vous, vos gueules. Je suis en train de l'apprécier comme Dusk. Je pense que, tu vois, si tu te fais une petite après-midi Dusk Medieval suivi par ouais, Wrath, franchement, ça peut être, tu peux te faire un bon petit truc, quoi. Moi je suis désolé, mais en plus c'est super facile de me faire plaisir, tu me files un FPS comme ça, je suis chaud, moi.
Je suis vraiment pas compliqué. Putain, j'ai aucun soul tether. Oh, il y en a un là. Oh la vache, disons, il y a du monde. Ouais, je pense que le mode hard, il augmente quand même le nombre, le nombre d'ennemis à l'écran. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que moi quand j'avais testé en normal la première map. Et même si c'était la première map, il y avait quand même beaucoup moins de monde. Bon, il y a quand même moins ce côté... Ouah, je sais pas, si quand même. J'allais dire qu'il y a moins ce côté court pour survivre de Doom, mais ça reste quand même du run and gun, donc... Non, si, ouais, c'est... on y est quand même. Je pense que ça accueille pas mal de différents types de gameplay aussi. Ouh la vache, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouh là là. Ouh loulou. Ah la vache, c'était quoi ça? Oh mec, ça m'a enculé. Ouh, c'était quoi? Des hérétiques. D'accord, donc vous êtes en train de prendre tous les noms cool qu'il y avait dans les années 90. Franchement, moi ça me va. Hein. Si vous prenez Hérétique, Vader, Exodus. Prends le Anthrax Gun. Donc on n'arrête pas de ramasser des fangs, donc qui sont des crocs. Voilà, je parle un peu anglais. C'est pour une arme qu'on verra après et elle est aussi assez impressionnante. Pour l'instant, il est pas mal ce niveau. Par contre, il est sympa, mais il est quand même vachement réminiscent du premier monde que j'ai testé moi. C'est quand même pas éloigné du tout. Je pense qu'ils ont gardé quand même pas mal des mêmes assets. Mais bon, regarde, c'est pas joli. On dirait. Très joli. Ça sera-t-il pour un petit secret, ça regarde. Ah putain, les enculés. Franchement, mettre des ennemis dans les secrets, c'est vraiment bâtard. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait pas. Voilà. Comme quoi, s'attarder sur les environnements, s'attarder, en général, être attardé, ça a du bon, hein. Regarde Gorky, il a une super carrière. Hein. Je trouve que c'est juste répétitif, mais il reste cool. Et c'est marrant parce que tes mots, c'était pas répétitif mais cool, mais c'est de la grosse merde, tu vas voir. Du coup, poto, j'aimerais savoir à quel moment tu comptais nuancer ton propos, parce que... Oh, encore un... Oh non, c'était pas un, c'est quoi cette... Ouh. Je t'encule, moi. Oh la vache, qu'est-ce que c'était? Disons, quand tu commences par le niveau 2, l'introduction des ennemis, elle se fait à la vénère. Hein. C'est quoi ça? Un Stricken. Stricken, c'est une chanson de... ceux qui chantaient... Disturbed. Stricken de Disturbed. Faudrait qu'on trouve des noms pour chaque ennemi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais viens. Mais viens, mec. Non, mais ça va. Mais non, mais on te juge pas. On te juge pas. Oh, bah oui, mais bon... C'était quoi ça? C'était un quoi? Un widow, dis donc. Un widow, je connais rien avec widow dedans. Ouh! Faut que j'arrête de faire Homer Simpson quand je suis... J'ai remarqué ça parce que du coup, pour ceux qui... Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Best of 2019 par Whiskey est sortie. C'est une vidéo géniale. Et j'ai remarqué que quand j'ai peur, je fais souvent du Homer Simpson. Ouh! Tu vois? J'ai même pas fait exprès. Je sais pas, c'est mon cri de surprise, il est nul, faudrait que je change. Faudrait que je passe ce casse-shop en fait. Tiens. Je crois que Jean-Jean il est plus vieux. Non mais oui, il est pas droit le bordel. Hein. J'aime bien, il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, mais il fait du clignotant depuis tout à l'heure. Alors c'est assez clair pour vous ou quoi la lumière? Attends, est-ce que je vous montrerai pas un tout petit peu le contraste? Hop, et un petit peu quand même. Voilà, tranquille. C'est un peu mieux là ou pas? Ouais, c'est un peu mieux, non? Je sais pas. Hop, PK, un soul tether. Tu peux encore refondre ton cri de surprise ou c'est trop tard? Ah bah, ça fait 27 ans que je l'ai, donc ça va être un petit peu tard. Faut voir au niveau de la politique. C'est quoi ici? C'est où je suis allé tout à l'heure? D'accord, je reviens ici en fait, d'accord. Alors oui, par contre, je suis désolé, mais dans un jeu comme ça, il y a pas de map, évidemment, parce que c'est à l'ancienne. Mais dans un jeu comme ça, je vais passer mon temps à me paumer. Attends, je suis descendu par là ou je suis pas descendu par là? Non, je suis pas descendu par là. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça a le même problème que Quake, dans le sens où le shotgun de base de Quake, donc la première arme que tu chopes, devient complètement obsolète, désuet même, j'ai envie de dire. C'est un très joli mot. Dès que tu chopes le super shotgun, et je pense que là, c'est un peu pareil, le coach gun, je vais vraiment jamais m'en servir. Enfin, surtout enfin dans les environnements comme ça. Oh, putain, la vache, il m'en met deux d'un coup. Ils sont superbes, les ennemis sont superbes, mec. Ah, le voilà.
Ok, et du coup, je pense que là, bah, le coach Gunn, on va plus en avoir besoin du tout. Donc, c'est le Fang Spitter. Rien que le nom, si... Ow ! Rien que le nom, si tu veux, il m'éclate, on va le tester un petit peu. Magnifique. C'est magnifique, poteau. Et qu'est-ce qu'il fait en clic droit ? D'accord, il en tire deux à la fois, c'est comme une DCA, fais voir, attends. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Regarde, 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 regarde. Oh, je kiffe. Oh, j'adore. Et c'est quand même plus satisfaisant d'avoir ça que d'avoir pistolet, fusil de chasse, mitraillette légère, mitraillette lourde. Hein. Je trouve. Après, voilà, c'est le combat de chess, tu le fais un petit peu comme tu veux. Combat de chess, combat de moche. Combat moche. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette petite machine à vapeur? On dirait la machine dans laquelle on chope les points de compétence dans Doom. Oh la vache, il y a du monde. Et si je sortais mon Fang Spitter? Putain, cul. Oh, j'adore. Je suis désolé, hein. Je suis trop fan. En plus, quand tu passes dedans, après, ça fait voler des petits bouts comme ça. Il y a de la réutilisation d'assets, c'est inadmissible. Ah bah oui. Ah, je suis désolé, refund direct. Hein, Jean-Jean? Franchement, refund direct, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde répétitive. y a rien là? Si, y a ça. Un petit peu d'armure, pas mal. Quand d'un côté t'as un lanceur de planète et l'autre un petit flingue, ouais. Bah oui. Mais bah, tu vois, en parlant de lanceur de planète, dans Medieval, y a pas vraiment d'armes qui deviennent obsolètes. Oh, ce passage là, c'est la deuxième map de Quake 1. De ouf. Y a pas vraiment d'armes qui servent à rien dans les Medieval, c'est que du circonstanciel. Et du coup, c'est vraiment sympa. Parce que tu retombes tout le temps aux mêmes armes en fait, selon l'ennemi. Et c'est vraiment agréable, je trouve. Je me suis fait péter le cul. Tes 180 sont un poil jarbotron, mais sinon ça a l'air d'être un Doom-like très correct. Ouais, alors oui. Par contre, oui, ça bouge beaucoup. T'aimes bien quand je fais ça? C'est sympa, hein. Et de toute façon, sur les jeux comme ça, les rediffs à chaque fois, faut. Si t'es sensible au mal de mer, tu vas te chier dessus. Hop, give a gueule. Attends, je me concentre un petit peu parce que du coup je me fais enculer. Je joue en hard mine de rien, si ça c'est pas du gamer cred. Attends, je vais leur envoyer des. Boum. Trop content, vous avez peut-être entendu de l'écho chez moi, non? Alors culé, il m'envoie des rasades là, putain, gros bâtard. Ok. Ok, encore là. Ils sont vraiment contents de leurs ennemis, les gars. Tu es enculé, tiens. Ok, j'en ai pris plein la gueule. 1. Yeah. T'as viré tes meubles? Ouais, j'ai tout cramé. Hier soir, passé une bonne semaine, je me suis dit, bon allez, on crame tout. Allez, on crame tout. Du coup, pourquoi pas? Non, c'est parce que des fois, quand je gueule, on entend l'écho, mais je sais pas, c'est pas tout le temps, du coup, c'est bizarre. C'est quoi ça? Un red glyph. Ouh, ça fait apparaître des saloperies. Ouais, non, ça fait apparaître des saloperies partout en plus. Hop, on va se foutre là-dedans, comme ça alors. Ouh. Oh l'enculé, il attend pour son pote. Oh, c'est chaud, ouais, c'est chaud de ouf. C'est chaud. Oh, le mec, il est mort tout seul. C'est chaud de ouf là. Attends. Putain, on vient là. Ok. Oh, c'est bon. Cette fois-ci, je l'ai. Putain, mais pourquoi j'ai pas ramassé? Attends. Voilà, et bah voilà. C'est bon là, je vais plus jamais mourir. Ouh. Et merde. Bon bah écoute, on va voir, il y a un truc là. Quitte à faire. Alors merci Foxy pour le sub, je sais pas si je t'ai dit merci, mais parce que j'ai juste dansé en fait, j'ai juste fait des petites. Doub doub. Je vois rien. Ah bah oui, je suis en train de mourir, mais en fait y'avait rien. Ah le con. Je croyais que j'étais en train de monter en fait, mais y'avait que dalle. Aïe aïe aïe. Ok, comme ça. Oh, c'est chaud de ouf. Oh putain, y'a du monde partout. Casse-toi. Oh la vache. Tiens, enculé. Ah, Idée de merde. Oh la vache. Ah, mais t'es en train de me taper pendant que je suis dans l'eau en plus. Ça se fait pas ça, mec. Non. Putain. Pourquoi mon perso c'est un petit gros qui sort d'une piscine? Je comprends pas. Les speedruns par dépit, mec. Je crois que c'est le meilleur moyen de jouer. C'est quand tu paniques. Tu passes 3 rooms. T'es poursuivi par une centaine de milliers d'ennemis en même temps. La vache.
Et bon, pour le coup, il est pas simple, le jeu. Ah putain, c'est lui qui me... Ok, ok, c'est bon. Et du coup, je vais peut-être vous montrer le life siphon. Donc, à chaque fois qu'on va buter quelqu'un pendant l'activité de ce truc, si on arrive à buter quelqu'un, voilà, on va récupérer un peu de vie. Vite. Non. Oh. Tu sais ce qui est chiant dans le jeu, par contre? Alors, un truc que je pensais jamais dire, c'est la distance à laquelle tu ramasses les trucs. Je sais pas si c'est parce que je suis très habitué à Doom, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est super super slim en fait, faut être vraiment sur le truc. Ouais, récupérer de la vie donc. Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais. Attends, non, on va pas se laisser emmerder par un niveau quand même. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Toi t'as... Du lourd. Toi ta gueule. Attends, il est où? C'est lui là, l'enculé là. Voilà, peu à peu, on apprend de nos erreurs, nos blessures et nos faiblesses. Celle qu'on avoue qu'à demi-mot. Très belle chanson de... comment? Pascal Obispo avec... je sais plus comment elle s'appelle l'autre. D'ailleurs, ça va, c'est pas trop fort au niveau du son, du coup. J'ai l'impression que ça gueule un peu de temps en temps. C'est quoi? Il y a des trucs derrière moi, là. C'est quoi ce délire, là? Mais en fait, il me lance des trucs qui me suivent après, non? Attends. Ah, ta gueule. Ah, tu fermes ta gueule aussi, là? Culé, hein. Voilà. Oh la vache, je me pris en pleine gueule celle-là. Est-ce que t'as déjà pris une bombe à eau en pleine tronche à Mach 3, mec? Bah. Alors, je vais dire un truc un peu scientifique, mais ça rafraîchit beaucoup moins que ce qu'on pense. Oh, c'est quoi ça? Le Wretcher. The Wretched. Attends, c'est chiant. On va donner un nouveau flingue, mais c'est gentil. Mais est-ce que tu pourrais éviter de faire radio beer foot pendant que... Tiens. Moi aussi, maintenant, je peux te vomir sur la gueule. Ok, donc je peux vomir avec ça. Et wretch, je crois que wretch, écrit comme ça, en anglais, ça veut dire, c'est quand tu fais... Comme ça, là-bas, comme il fait le mec avec ses saucisses, d'ailleurs. Oh, c'est marrant. Donc en fait, oui, c'est le bio-gun, le bio-rifle, je veux dire, de Unreal, en fait. C'est pas mal. Ça claque et ça rafraîchit après. Oui, les bombes à eau dans la gueule. Par contre, oui, par contre, c'est complètement... Bah non, il est mort quand même. Non, oui, il est mort après que je sois mort. Allez, on recommence. Maintenant, on sait qu'on peut vomir sur les gens. Je suis désolé, le fait que les saves soient un peu chelous. Du coup, je save jamais. Et je pense que du coup, ça a pas du tout plu aux gens. Enfin, aux gens. Au mec sur Steam. Le seul mec sur Steam qui s'est dit « Eh, c'est bizarre, ça a dit !» Attends. Concentration de l'artiste principal. Qui c'est qui me tape de derrière? Je comprends pas. Je crois qu'en fait personne me tape de derrière, c'est juste qu'il y a les rebondissements des munitions des autres putes là. Tiens, active ça. Que tu actives ça. Voilà. Hop, merde. Attends, j'irai visiter après, hein. Je l'ai pris ici. Ok. Vache. Ok, donc c'est pas du tout l'arme pour ces ennemis là, très bien. Ça reste au sol, mais en fait... Putain, mais je voulais regarder. D'une part, ça reste au sol, et d'autre part, j'ai l'impression aussi que ça te suit après. Attends. Non, celle-là, elle explose. J'avais l'impression qu'il y en avait qui roulait vers moi, en fait. Non, tu sais quoi? Regarde. Soul Tether. Je vais le dire à chaque fois. Hein. Du coup, j'ai oublié de prendre ça, ouais. Attends, tu sais quoi? On va visiter avant de prendre ça, parce qu'à chaque fois, je me fais enculer après. Bonjour. Ouais. Donc, eux, ils sont balèzes. Non, je suis dans l'eau. Haha, bien niqué là. Oh, l'enculé, putain. Mec, ça m'a vexé. Hop. Donc j'ai vu aucun secret pour l'instant. Si, 22-3, un peu facile. Mais tiens. Et pour l'instant, j'avoue que j'en ai pas découvert sciemment, en fait. Ah, c'est peut-être parce qu'ils rebondissent, ouais. Coffer key. Ah, bah le coffer, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Que je me disais, c'est quoi cette petite machine? Je crois que c'est ça, on va essayer de retourner après. Hop. Pekeb. Je peux pas utiliser. Salut Kaiden, bonne année à toi aussi, poto. Est-ce que tu t'es bien bourré la... J'allais dire bourré la schneck, mais c'est un peu contre-productif. Est-ce que tu t'es bien bourré pendant ce nouvel an? Et c'est ce Noël, d'ailleurs. Ou n'importe quel, je sais pas ce que tu fais. Putain, j'ai loupé. Attends. Déconne pas. Hop là. Oh la vache. Attends. Doucement, hein.
Je suis un garçon fragile, hein, faut y aller tranquille avec moi. Hein. Tiens, c'est quoi ça? Non, c'en est un autre. Ah, vache. Hop là, ok. Bon, une fois que les patterns sont un petit peu, comment on dit, retenus, ça se calme un peu, c'est moins dur. Il y a des trucs qui brillent en bas, attends. Attends, j'ai envie d'aller voir déjà c'est quoi ça, parce que du coup, je pense que c'est une clé à ça. Ah là! Pekeb, oh cool, un soul tether. Pas mal, nice. Le livreur, il a toqué tellement fort, pas fort à la porte, il était tout timide le petit. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi déjà, j'ai peur quand on m'appelle au téléphone. Alors frapper chez les gens, ça se trouve c'est pas chez eux. Ça se trouve ils sont cons, ça se trouve c'est les terroristes. Ou ça se trouve, voilà, t'imagines, tu vas livrer un truc et t'arrives chez Foxy. Honnêtement, moi, j'ai peur. Hein. Pas de murge, même si on m'a offert que des bouteilles. Même pas une petite switch. Franchement. Une petite switch. Y'a quoi ici? Ah, y'avait qu'une armure en fait, d'accord. Je sais pas s'il y a d'autres secrets dans le coin. Je vois vraiment rien du tout dans ces murky waters. Comment on dit? Putain, je vois que dalle. Je plisse mes yeux au max, hein, mais je vois rien là. A chaque fois que je vais chez Russienne, j'écoute à la porte pour être sûr. Imagine, je suis pas conscient. C'est quoi qui respire? C'est moi qui respire ou c'est vous? C'est vous? Ah, c'est lui! Bah alors! Bah oui, mais tu dis pas! Tu dis pas que t'es là! Comment tu veux? Ah, oh la vache! Comment tu veux qu'on te remarque? Bah oui, mes potos! Montre-toi un petit peu! Prouve que tu existes! C'est quoi ça là-bas? Je comprends pas. Pourquoi il y a 50 et 10 en dessous pour l'armure? Aucune idée, mec! Il y a une armure physique et une armure. Je sais pas du tout. Il y a pas ça d'ailleurs? On voit pas. Manuel, contrôle. D'accord. Et non, ils nous disent rien. Bon bah écoute, je sais pas. Ouh! 1! Merci Elda! Merci beaucoup, beaucoup! Ça, tu sais ce que ça me dit, ça? Ça, ça me dit, ça va te téléporter quelque part. Du coup, j'ai pas envie d'y aller pour l'instant. On va voir si on peut pas. Eh yes! On va voir si on peut pas se balader un peu plus avant quand même. Hop! 28 mois, ouais, c'est chaud un peu. 28 mois, t'imagines? The Wretched, The Wretched. Les petites balles, franchement, il est super joli ce Yon. En plus, comme je suis fan des low poly dans le genre, je suis vraiment en admiration devant l'art style en fait. Ah non, lui il s'en fout. Ok, ah, il s'en fout pas tant que ça en fait. Ah non, c'est quand il meurt, il lâche des bouboules aussi, l'enculé. C'est peut-être ça qui m'a buté tout à l'heure en fait. Pourquoi tu cries? T'es con ou quoi toi? Putain, tu m'as fait peur. Ah vache! Il m'a vraiment fait peur en fait, le con! Oh! Il a hurlé comme Spider au Nouvel An! Je repasserai pas la vidéo, hein, si jamais vous avez envie de la voir, elle est sur mon Twitter! Voilà! C'est bon, impeccable! C'est quoi ça? Drowner's Apparatus! Bah oui, mais ça s'appelle l'appareil du noyé, mais c'est complètement con parce que... Ouais, putain, la vache. Ça va, vos... Oh putain, ils sont complètement cons. Ah, ils sont complètement cons. Regarde, ils sont complètement débiles. Alia, c'est pas ça. Hein. Il y a un escalier, hein. Vous voyez? Oh. Ah ouais, c'est pas ça du tout, mec, hein. J'ai réussi à le louper avec tous mes plombs, dis donc. Ah, voilà, il commençait à apprendre. Je me chie dessus à cause de ces connards quand ils crient. Mais en plus, ils t'attendent là et là, là. Genre, il va falloir que je check mes corners comme sur SWAT 4, quoi. C'est quoi? Vache, il me terrifie. Comme dans... Je sais pas si vous vous souvenez, dans Dusk. Il y a des ennemis qui sont à moitié difformes. Bon, tous les ennemis sont difformes dans Dusk, hein. Mais il y a des ennemis... difforme que t'affrontes au moment où t'es dans les cavernes où t'as pas d'armes, t'as juste une flashlight je crois. Enfin après tu chopes un shotgun assez vite mais What is cool? Oh. Et ils me font le même effet en fait. Et c'est vraiment des monstres qui me terrifient dans Dusk, qui sont vraiment dégueulasses. Ouais ouais, eux. Ah, ils sont horribles. Ils te foncent dessus, ils te hurlent dessus, en plus ils sont animés à la bite un petit peu, tu vois. Et ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ça, je...
Non. Non, non, non. Toujours pas de Soul Tethers. Putain, en plus, en hard, ils les retiennent avec des élastiques, leur attends. Parce que du coup, faut peut-être que je foute ça. Voilà. Je peux respirer en étant immergé. Alors, il clignote ton transparent. Je sais pas ce que t'as foutu avec ton PNG, mais c'est dégueulasse, hein. Et pourquoi qu'il clignote, le con? Bah alors? Tac. Oh là là! On dirait un genre de Z-Fighting, en fait, parce que c'est à chaque fois que je bouge que ça le fait. Bah alors? Il est con, quoi? Oh, c'est ok, c'est fini. Attends. J'allais là. Merde, c'est pas ça. Ah, attends. Voilà. C'est bon? Les munitions de Fang Spitter me donnent toujours l'impression que tu vas marcher dans un piège à pique. Un piège à pique, ouais. C'est dégueulasse, hein. Et puis j'ai l'impression que c'est pas très très pratique, en fait, de les mettre comme ça en formation circulaire, non? Il y a peut-être d'autres moyens plus simples. Ah, on vient là! D'accord. Donc quelque part, c'est un hub. Un hub après un hub, en fait. Et j'imagine que le délire, ça va être de ramasser tous les trucs comme j'ai là, les trucs rouges en haut à gauche, en haut à droite. Désolé, chaque fois, hein. Vraiment de la merde, ce gun. C'est vraiment de la merde. Putain, 4 PV. Ça va le faire. Ça va le faire. Franchement, ça va le faire. J'avais un Soul Tether avant, de toute façon. Ouh. Un. Yeah. Merci, Kaiden, pour le sub. Merci beaucoup, man. Tu le sens que c'est bien une démo. Enfin, une démo, d'accord, mais ils ont foutu un gros patch il y a pas longtemps qui a dressé beaucoup de problèmes. Et ça me fait bizarre de voir encore des conneries comme ça. Et puis en plus, j'imagine que ça va être quand même... Enfin, j'y connais rien, hein, mais une erreur un peu débile comme ça, ça doit être quand même facilement fixable, non? Ah bah oui, non mais oui. Ah mais Rufian, au bout d'un moment, faut peut-être que... C'est quoi c'est peut-être ça, les shrines? Attends, fais voir. Tu sais quoi? Pourquoi j'ai pas pris ça, en plus? Voilà. C'est quand même un des flingues inutiles les plus beaux que j'ai vu dans un FPS. Ah bah oui. Ah ça, par contre, quand ils font des flingues inutiles, ils les font pas à moitié, hein. Pas parce que tu sers à rien que tu peux pas être joli. Regarde. Mec là. Qui a joué dans mon machin. Après, ça joue sur la prio des trucs à fixe. Au final, c'est moche, mais ça affecte pas le gameplay. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on a souvent des bugs à la con dans beaucoup de jeux AAA. C'est-à-dire que ton budget, il est restreint. Et plutôt que faire en sorte que il n'y ait pas un mot qui est un petit peu pété ou un accent qui a sauté sur juste un élément du lore, il vaut peut-être mieux prioriser les gros bugs. Et donc c'est pour ça que de temps en temps ils disent ouh. Ouais, mais on a un problème au niveau de l'affichage de ouh. On bat les couilles. Après là, c'est pas un triple A. Bon, après c'est un mec tout seul qui s'en occupe, donc c'est compréhensible aussi. Mais bon, écoute, ça des petits bugs à la con de toute façon. Et puis oui, ça empêche pas que le jeu il est cool, hein. Bah, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il attendait. Oh, le pauvre. Non, tu sais ce que ça me rappelle, ce coin-là? Ça me rappelle le niveau Tall Trees, je crois, de Spyro. Et c'est un niveau qui, d'ailleurs, quand on a fait avec Poons, on s'est galéré de ouf. Il est infernal, ce niveau, parce que le niveau en soi, bon, il n'y a pas trop de problème, mais c'est parce qu'il y a un voleur d'œufs dans Spyro. Dans Tall Trees, et il faut suivre un gros circuit avec lui, en fait, derrière lui, pour le rechoper, et c'est ultra dur. C'est un genre de die and retry, c'est insupportable. Le pire niveau de Spyro, je pense. Après, c'est le pire niveau de Spyro, mais pas dans le pire Spyro, donc ça va. Pourquoi j'arrête pas de me viander, par contre? C'est mon fusil qui me... Non, j'ai pas de recul quand je tire avec ça. Ah si, un petit peu. Putain, ça allait n'importe où. Oh putain, la baston. Ok. Oh, t'as mal choisi ton jour.
Ça ressemble pas mal. Ouais, un petit peu avec les plateformes circulaires, là. Je vois pas vraiment à quoi ça sert, d'ailleurs, parce qu'il y a rien, en fait. Les mecs, ils se sont juste dit, on va faire des plateformes circulaires, c'est marrant. Tac. Merde. Oh la vache. 23 PV, poteau, hein. J'étais à 100, me semble-t-il. Hop, attends. Hop là. Oh, j'ai failli me péter la gueule. Mec, je le sens pas, ce truc. Qu'est-ce que je fais? Je fous un seul taser ici, ou quoi? Vraiment, que les quick save soient un genre de... Non, 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 là, je vais faire une connerie, là. Je vais faire une connerie. Je fais une connerie. Tiens. Voilà. Petit seul taser, tranquille. T'es toujours en difficile? Ouais, je suis toujours en difficile. Ah, vu comment j'en chie, j'espère que je suis toujours en difficile, parce que mon gars... si ça, c'est le mode normal... Et encore, ouais, il y avait un autre mode de difficulté. Je l'ai envoyé chier, lui. Ça va? Ah, putain, il continue à me tirer dessus, enculé. Mais je fais comment? Il est super loin. Attends. C'est bon? C'est bon, je crois. Son pote, il est mort, il l'a envoyé chier. Oh la vache. Tu sais ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle certains potes de monstres dans Doom 2. Sur les maps de Romero. Donc parce que dans Doom ils se sont échangés un petit peu le map making, donc c'est pas tout le temps le même qui s'est occupé du level design. Et on sait pas pourquoi dans Doom 2 Romero il a fait n'importe quoi sur ses propres maps, avec deux Baron of Hell qui sortent du Yonf, etc, etc. Et ça me rappelle un petit peu ça. Genre tu t'approches d'un truc, pff, tiens un gros monstre. Oh bah merde, c'est la tuile. C'est un truc de téléportation, ça. Est-ce qu'il y a ça dès le début? Est-ce que je viens de me faire chier à faire tout ça? Pour rien, en fait, virtuellement? Attends, je vais voir un truc. Est-ce que la shrine, là... Pas de dégâts de chute, c'est déjà ça. C'est quoi, ça? Ouais, alors je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un petit peu facile de se moquer de quelqu'un comme ça. Ça. Non, ça a save. Ça a save. Il disait, oui, c'est un peu chiant que les sauvegardes soient limitées. Mais en fait, t'as des shrines qui sont disposés un petit peu partout et qui rendent le problème complètement désuet, en fait. Quel connard. Quel abruti. Le gars, il donne son avis après 5 minutes de jeu, tu sais. Non, je donnerai mon avis franc et sans filtre une fois qu'on aura fini les deux mondes. Hein. Pour l'instant, celui-là, j'avais bien aimé le passage dans la crypte slash égout là, bizarrement. Mais il y avait une échappée, t'as loupé le peloton, poteau. Hein. Il arrive un quart d'heure après tout le monde. Ouais les mecs, je vais l'enculer le Outlander. Mais pour l'instant, j'avais vachement bien aimé le passage dans les égouts. Et je suis pas trop fan des marais, en fait. J'espère que c'est dans un putain de château fort ici, là, que c'est pas juste la fin du niveau. Parce que j'adore les châteaux forts. C'est mes niveaux préférés après les trains. Ce soir, vu qu'il y a que deux niveaux, tu feras aussi le map pack de Doom qui est sorti il y a peu de temps. Je pourrais montrer Sigil, mais ça fait une heure et je suis que sur le premier niveau. Hein. Donc je sais pas, ça dépendra. Soit... Ouh! Oh putain! Ouh de la vache! C'est quoi ce mec? Putain! Michel? Vache! Ça va, Michel? Comment il s'appelait, lui? Michel, non. Executioner? Ouais, bah oui, oui. Oui. Executor, très bon groupe de trash. Ils sont français un peu, je crois, Executor. D'ailleurs, je crois qu'il en parle, Maxwell, dans sa dernière vidéo, il me semble. Executor, c'est sympa comme tout. Ok, y'a quoi ici? Oh, y'a pas... Oh! Non? Bon, bah non. Toi, ta gueule. Sigil, il craint aussi. Non? Je sais pas ce que t'as, j'ai l'impression que... tu lui as dit que c'est super facile, en fait, de critiquer quelque chose. Si Jill il craint pas, tout comme ce jeu il craint pas, donc je vois pas trop. Oh la vache, non pas.
Ukraine, c'est de la merde. T'en rends bâtard. Tu refermes ta gueule. C'est bon, ils sont cons. Ah non, mais attends, mais ils se bloquent à chaque coin de mur. C'est quoi ce délire? Regarde! Mec! Le jeu, il est bien, mais putain, l'IA, elle est... Hein, elle est perfectible, comme on dit, hein. Il est bien Sigil, mais le problème de Sigil, c'est que comme c'est un map pack, un WAD uniquement fait par John Romero, les problèmes que je vous ai exposés tout à l'heure avec les mobs qui te spawnent dans le cul et qui t'éclatent sans vraiment te donner un moyen physique de t'en sortir, oh la vache, c'est tout le temps en fait. Putain, ils sont cons, casse-toi. Oh mais Lyon, tu m'as fait découvrir un passage secret, super sympa. Ah merde. Attends, solitaire. Ah non. Bah non. Bon, c'est pas grave. C'est bon, je suis pas loin. Ok. Je trouve un exécuteur au Costa Rica, en Allemagne. Alors fais ton choix. Non, c'est exécuteur avec un H au début. Exécuteur. Putain, toi aussi, t'es vraiment pas aidé. Ils sont vraiment... je dirais pas que c'est non plus un gros défaut. C'est plutôt rigolo pour l'instant, mais c'est pas... Oh non. Putain, fais chier, dit. Mais c'est pas... Je peux le téléfrag. Oh, peut-être que je peux le téléfrag. Attends. Je me galère, là. Hiya. Haha. Oh. Pas de téléfrag. Je n'ai pas de téléfrag. Du tout. Ça a impressionné personne, ce que j'ai fait, là. Le pathfinding du joueur, il est pas toujours au point non plus. Non mais ça c'est plus ou moins admis. Si tu veux, il fait avec. Mais... c'est pas trop son pathfinding, c'est... le level design de ma tête qui est un petit peu... il est spécial. Ah la vache, des points de vie qui t'enlèvent, mec. C'est correct, hein. T'en récupères pas mal aussi, mais... allez hop, un petit soul tether. Juste ici, là. Blip. Et c'est type part. Comment je vais l'éclater, lui? Y a que ça qui fait le plus de dégâts, j'ai l'impression. En fait, j'ai vite fait de te dire, c'est de la merde, mais il est pas si pourri, juste ça manque de Doom, mais il est cool. Bah, je préfère que tu dis ça plutôt que c'est de la merde, j'ai l'impression d'entendre Jean-Pierre Coff, mec. Il s'en fout. Voilà. Et putain. Il galère, lui, hein. Ok. Hé. Ah l'enculé, il était juste au-dessus de moi. Il m'a fait une splinter cell. Il m'a fait un saut écart. Non, il parlait surtout de Sigil, Spider. Il parlait pas de... Je joue à quoi déjà, moi? C'est moi qui quoi? Comment ça s'appelle? Je me souviens déjà plus. Wrath, ouais, c'est ça, Wrath. Est-ce que c'était pas super bien fait? Est-ce que je suis pas un doubleur émérite? Voilà. Impeccable. Bref. Tu sors? Attends, oui, il faut les... Faut... Non. Ouh, là, vous sortez. Vous allez encore vous bloquer contre tous les putains de murs. Ah, peut-être pas là, alors. Il va où, toi? Tu vas où? Mais putain. Oh, les cons. Putain, la vache, ça fait plein de dégâts en fait, le... Ouh, la vache! Le Ratcher, là. C'est vénère, hein? Ok. Tac. Il va doubler le Fury pour arrondir les fins de mois. Eh, franchement, si tu me dis... Ok, pour 500 balles, t'imites un chien qui se fait enculer. C'est quand tu veux, mec. Mais quand tu veux. 500 balles net, hein. Je te promets que... Non mais bien sûr que si. Tout le monde. Pour 500 balles, vous feriez n'importe quoi, bande de... Ils sont tous morts. Pourquoi ils sont tous morts, ces cons-là? Tous les petits Z, ils sont claqués. C'était quoi? Pourquoi? Ok. C'est marrant, on peut faire un petit peu de pétanque, en fait, avec le truc, parce qu'il continue à rouler. Je sais pas si vous voyez, mais... Pip, pip. C'est rigolo. C'est pas très rigolo. On signe où?
Je sais pas, il y a peut-être des productions. Putain, ça s'appelait comment déjà? C'était un mec qui faisait du furry avant, ça y a super longtemps. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle. J'aimerais bien passer par en dessous là. Parce qu'il y a un. Il y a un ça là. Comment on fait? Allô? Comment je. Je peux pas? Y a pas un petit passage? Ah! Bien sûr que si! Tac! Très peu pour moi. Et ça ouvre! Et ça ouvre! Et voilà! Comme quoi, hein. Gamer Boy Fit! Ça, franchement, jamais. Franchement, jamais. Ça, c'est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment un fétiche que je comprendrais littéralement jamais, quoi. Les yep, mais genre. Vas-y, on en a souvent parlé, je suis désolé. Ouh la vache! Ça va au niveau du spawn, vous êtes tranquille? Sinon, vous me dites, hein. Tac. Ok, ça c'était bien. La racine, je lui ai mis cher, poteau. Ok, un mort. Je peux vous vendre des miettes dessous mon clavier. Mais tu sais, quand quelqu'un dit ouais, il y a un mec qui a acheté des photos de yep, c'est plus ou moins ce que j'entends en fait. Voilà. En plus, c'est pas compliqué d'enlever les miettes sous le clavier. Putain, tu prends ton clavier, tu le tabasses et c'est bon, c'est enlevé. Il a juste voulu enlever les miettes de sous-marie trintignant et c'est parti en couille. Mais c'est fragile, c'est tout. Ça doit être une razeur. Ouais, on fait des blagues. Oh, bah écoute. Attends, file-moi ça là. Voilà. Excuse-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est chiant ici, hein. Pour le coup, ouais, ça renforce mon idée que c'est pas ma map préférée. Je préférerais carrément la première. Est-ce que tu peux. Attends. Bon, ça va vous sinon? Alors, il achète des photos de pieds. Ça, déjà, franchement. Mais c'est chaud, non? Enfin, payer pour du boulard, c'est pas un peu ton axe, non? Je sais pas, enfin, il y a tellement de trucs gratos, si tu veux, pour la paluche. Oh, putain, c'est pas fini! Ah, bien joué. Tac, voilà. Jamais payer pour du boulard. Non, mais bien sûr! Je comprends pas, il est où ton sens de la découverte? Si tu payes pour du boulard, si t'as un abonnement Brothers, il est où genre se paumer sur des sites ouzbek pour trouver des trucs qui sont illégaux? Tu vois? Genre merde, putain, les gars, il y a un petit peu le sens du fun, quoi. Quand on aime, on ne compte pas. En parlant de fétiche, si ça intéresse un de vous, je juge pas, Belle Delphine vend un pot de pisse à 100 000 en ce moment. À 10 000 balles. Eh les mecs, sinon on fait des pots de pisse LMF, vous achetez ça combien? Genre si on vous en demande 20 balles, ça le fait ou pas? Relic of the Maya. You got a stuck in a quagmire. Mad Max Fury Road. Ok, j'y vais. Ah, c'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin du monde. C'est peut-être déjà la fin du monde. La fin du monde, The Maya. Bon bah écoute, c'était pas mal, mais c'est pas mon préféré. Mais c'était pas mal, non? Morning Vale. Ouais, voilà, du coup, on retourne au hub. Un pot de sueur LMF. Ah, miam miam. Un pot de beurre fait avec le lait maternel de Skadur. Ça vous dirait? Ah, j'ai eu un haut le cœur, dis donc. D'habitude, ça me le fait pas. D'habitude, j'ai plutôt une bonne résistance à ce genre de conneries. Mais là, je suis désolé, il y a eu un. I'm just saying. Un délice. Je vais contacter Joël Robuchon. J'allais dire Roel Jobuchon, c'est rigolo. Joël Robuchon, je suis sûr, il va avoir un truc. Alors du coup, c'est où l'autre niveau? Attends, je vais juste aller voir la porte rouge là-bas, voir s'ils disent un truc. Coming soon. Je crois qu'il y a 6 niveaux en tout. Je déteste le platforming. Vraiment. Vraiment, j'ai aucun respect pour le platforming. C'est pour ça que vous me verrez jamais streamer Banjo et Kazooie ou les conneries comme ça. Franchement. C'est pour ça que vous me verrez jamais. C'est rien. Ouf, regarde, écoute la chanson. Ok, y'a quoi? Là, tu me dis rien? Oh, allez, oh! Ok, alors Yann, merci. Tu devrais m'entendre chanter. Y'a quoi là? C'est quoi ça? Attends.
C'est joli ici, non, ça fait mal aux yeux, mais c'est joli. Parce que j'ai déjà un début de migraine en fait. Et du coup, quand les images qui sont un peu claires et un peu rapides, j'avoue que ça me fait un peu mal, un peu plus mal. Alors du coup, ouais, le mec qui a un mal de crâne depuis le début de l'après-midi, il s'est dit tiens, je vais streamer un shooter. Un shooter rétro qui bouge de ouf. Parce que, bah, quelque part, la douleur m'habite et. En deux mots, hein. C'est la colline aux épées de Berserk. Ah oui. Je me souviens plus. C'est quoi la colline aux épées? Je me souviens plus. Y'a quoi là-bas derrière? C'est quoi? Je suis en train de skip tout. Tiens, regarde, file-moi ça. Elle est bien la chanson là, non? Trouve pas qu'il y a du bon. Ça te fait bouger un peu ton boule, quoi. Eh, franchement, qui l'a jamais bougé son gros boule sur des chants grégoriens? Franchement. Que celui qui ne l'a jamais fait me lance la première pierre. Ça va où ça? Oh! Je kiffe les Schwerz. Oui, est-ce que ça se prononce pas cœur, ça se prononce Schwerz? C'est une déformation du langage. Oh! Ouais, mais j'ai toute mon armure toute ma vie du coup là. C'est vraiment parce que du coup, tu peux te prep un petit peu pour les prochaines maps. Tu peux récupérer un peu de denrées. Polir céticale. Attends, je l'ai. Hop là! Hop! Tac, à la zob, mon gars. Ça, si c'est pas empirique. Ah putain, c'est pour récupérer les couilles en plus, c'est génial. C'est tout ce qu'il y a ici? Bon, écoute, on va pas perdre trop d'autres de temps. C'est quoi ici? Ça va où? Waouh, c'est super. Ok, c'est le début du jeu. Bravo, Roussian. Ah, oh, quel talent! Quel talent, le mec! Ok. Petite rave party avec des chants grégoriens dans un champ. Dans un champ en Bretagne. Tiens, attends, je vais me rallumer ma clope. Parce que j'ai mal au crâne, donc. Si, je buvais. Oh, mec, attends. Quel con. Attends, bougez pas. Bougez pas, j'ai oublié un truc. Putain, mais voilà, c'est pour ça que je suis troublé aussi. Là. Je me disais. Ah, voilà! Ma Monster Energy Ultra White! Putain, qu'est-ce que c'est ce délire? Ah! Là, je suis bien. Je me disais, j'étais un petit peu. Mollasson, tu vois. Voilà! Putain! Là, tout est bien qui finit bien. Et du coup, ils m'ont. Ah non, ils me laissent mes guns! Ah, du coup, c'est un peu dommage. J'aurais dû faire l'inverse parce que. Il n'y aura pas le reveal des guns comme on a eu tout à l'heure. Et c'est con, sur cette map, c'était plutôt bien foutu. En plus, c'était joli, je trouve. Par contre, il n'y a personne. Vous avez retiré les ennemis. Qu'est-ce que. Ouh, non, pas du tout! Ouais, vache! Alors, par contre. Je sais pas c'est quoi leur ligne éditoriale, si c'est normal ou pas, mais commencer par un ennemi comme ça sur la première map, je pense pas que ça vienne du hard. Peut-être que du coup le jeu il a compris que j'ai déjà chopé la relique du premier niveau, enfin du coup du deuxième niveau, et qui adapte celui-là en conséquence. Loupé connard. Oh merde. Tiens. Voilà. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça, Jean-Jean, espèce de. Paffé. En paffé. Est-ce que c'est pas une des expressions de vieux, tu vois? Parce que plus personne n'utilise ce mot-là. Bah maintenant, c'est un petit peu trop gentil, tu sais. Comme tête de linotte, maintenant on dit gros con, tu vois. Mais est-ce que en paffé, c'est pas l'expression yeuf que. Enfin. Oh, si tu veux, quand je l'ai dit, j'ai un goût de formica dans la bouche, quoi, tu vois. J'ai un goût de pendule à papy et ça a rien à voir avec sa bite. Ah fuck! Ouh! Mal baisé, ouais, en paffé, mal baisé. Mal baisé encore, je trouve ça marrant, mais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous souvenez de. Attends, est-ce que je peux le retrouver? Bouge pas. Attends, est-ce que je peux le retrouver? Ah, attends. Ça va être compliqué, je pense.
Ah merde, c'était une vidéo de Lina sur la conduite, je crois. Femme au volant égale accident, yes, ok Lina. Et à un moment, il y a un mec qui sort de sa bagnole. Alors déjà, au début, ça commence par « Hey, connard, sais comment tu conduis ?» C'est dans les années 60-70, je crois, hein, sur Lina. Et il y a un mec qui sort de sa bagnole, il dit « Monsieur, vous conduisez comme une patate !» Et j'ai trouvé ça, si tu veux, tellement sympathique que je pense que si le mec, il est encore vivant maintenant et qu'il entend les insultes qu'on se dit, mais même entre potes, hein, je pense que son pacemaker, il va partir en pièces détachées direct, hein. Qu'est-ce que t'as dit comme insanité, Momo? Attends, j'ai lu juste les bulles. Femme au volant, qu'est-ce qu'il fout en dehors de la cuisine, cette pute? Yes! Eh bah écoute, d'accord? Allez, faut choisir, hein, conduire ou le droit de vote, hein. Tu peux pas non plus cumuler comme ça, bon. On respecte. On respecte les décisions de chacun. Oh, y'a plein de trucs à casser! Ah, mais t'es tout nul, toi! Ça va? Je vais pas venir. Ah, c'est moi quand on me disait qu'il y avait des amis à la famille dans la cuisine et du coup je restais chez moi en haut parce que j'avais pas envie de dire bonjour à des gens que je connaissais pas. Bonjour. Moi si je m'appelle Nicola. Tiens, connard. Ouah, et putain, il y en a partout en fait. Tiens, toi aussi? Oui, ok, donc il va falloir tous les... Tac, tac. Hop, ok, très bien. Impeccable. Super. Génial. D'accord. Eh bah écoute, je prends. Et du coup, il fait vide, c'est bizarre. Il y a vachement plus de peuple. Quand j'ai joué la première fois dessus en tant que première map, et en normal. Et du coup, je trouve ça vachement étrange. Tu restais à jouer à Tony Hawk's Pro Skater 3 sans faire partager les cousins, je suis sûr. Mais j'ai pas... Pourtant, je suis breton, hein, mais j'ai pas genre des milliers de cousins qui venaient à la maison, jouaient à des trucs et tout. J'avais des copains, ouais. Mais des cousins, j'en ai jamais eu qui venaient squatter la console et tout. Du coup, ouais, je jouais à Tony Hawk tout seul, mais du coup, c'était bien aussi tout seul. Je faisais des cache-cache tout seul. Ouh, putain. J'en ai des cousins, mais apparemment, ils sont tous cons. Hein. Enfin, je les connais à peine. Je les ai vus quand j'étais petit peu, tu vois, donc ça remonte, mais bon. Si j'entends les ombis, c'est pas vrai du tout, j'ai des cousins qui sont très gentils. Des neveux, des nièces aussi qui sont adorables. C'est juste que je passe pas mon temps avec, c'est tout. Et ouais, quand j'étais petit, au collège, à chaque fois, tu rencontrais un mec, tu disais « Ouais, je suis le cousin de machin, et là-bas, c'est mon cousin aussi, là, c'est mon cousin, ça. » T'es un petit peu comme dans Astérix en Corse, en fait. Tiens. Ok, impeccable. Tu me présentes une de tes nièces. Ouais, par contre, elle va te péter la gueule, je te promets. Hein. C'est une costaud. Hein. Putain, la vache. J'en ai dans la bouche. Ok. Peut-être falloir que je me soul tether un moment. Allô? T'es mort? Ok, impeccable. Soul tether ici. Ouh, c'est marrant, je pensais qu'on pouvait pas le... Je pensais qu'on était obligé de le faire avec la Ruination Blade, ça. Parce que j'ai... Ouh, ah non, on peut juste le crash jump, en fait, je savais pas. Eh bah écoute, impeccable, petit siphon, des patates marionnettes. Non, ok, je crois qu'il y a un... Ouah, ça me terrifie, ce truc-là. Écoute, je vais les éclater au fusil de chasse maintenant. Attends, j'ai plus beaucoup de munitions. Non, je crois qu'il y a un passage secret dans le coin, mais... peut-être celui-là. Non plus. Merde. Je suis où? Attends, où est-ce que je suis là? C'est par là? Ok, c'est là. C'est bon, c'est là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, je suis pas paumé. Hop, vous vos gueules. Donc, c'est vraiment le même truc que tu remarques là-dedans, comme dans Quake. Hein. T'as une arme qui détrône toutes les autres. Et c'est vraiment pas circonstanciel, quoi. C'est juste... l'arme, elle est juste bien en tout. Et c'est tout, quoi. Un petit peu dommage. J'aime bien quand c'est plus... plus thématique. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'on respecte le combat de chasse. Le problème, c'est que le fusil de chasse, là, il est bon contre littéralement tous les ennemis.
dans Doom, la sélection des armes que t'as va de pair avec la sélection d'ennemis aussi. Le problème, c'est que là, ils ont foutu tous les ennemis au début, et ensuite, ils ont commencé à te montrer des flingues. Donc t'as pas ce genre de mise en contexte par rapport à chaque gun que tu ramasses. Il va super vite. Ok, putain. Et du coup, c'est un petit peu problématique, parce que bah ouais, j'utilise quasiment que le shotgun, à part voilà dans les situations très précises où je suis un peu loin, etc. Quoi. Salut Dolly. Comment vas-tu? Patate crue. Ah, oh, on déconne à la méga fort, je te raconte pas. Oh. Alors chez nous, c'est bonne ambiance quoi. La balance, c'est pas encore ça. Bah ouais, je crois, ouais. Ça reste, c'est extrêmement agréable, hein. Ça reste un jeu qui est super à jouer, je m'amuse vraiment bien là. Mais ouais, ça, putain, là, il a tout pris dans la gueule, ça lui a rien fait, mec. Mais ouais, c'est... Ouais, la balance des guns, elle est un petit peu foirée, quoi. Après, je dis ça, bon, c'était pareil pour Doom 2, où tu fais une bonne partie du jeu avec uniquement le super shotgun. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est exactement le même rate of fire que dans Doom 2 pour le super shotgun. Que celui de Quake, mon gars... Pour le coup, c'est assez évident pourquoi tu l'utilises tout le temps, ça fait pouf, clic, pouf, clic, et c'est ultra dévastateur. Donc, partiel demain. Ouais, révise, mais oui, révise, connard, utilise... alors, la table de 2. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 3. Ah, écoute, je te laisse te débrouiller. Et moi, je révise l'histoire géodeck. Pas pour que je fume, putain. Merci, Foxy. Oh, putain. Si c'est marrant, je m'y attendais encore moins que d'habitude. Je crois que ça fait un moment qu'on en a pas eu, du coup, je m'y attendais pas. Je dois aller où, là? Donde est-ce que supposed to go? Ok, ici. Ah oui, il y a des gens ici. Ta gueule. Ah, la vache qui... Oh, la vache. Oh. Oh, comment il m'a enculé! Oh mec! Oh le coup de boule! Ah, et puis du coup, mon Soul Tether il est super loin! Oh la vache! Ah, ça, je peux comprendre que ce soit frustrant. Ouais. Oh, c'est bon, je vous ouvre pas, hein. C'est bon, là, on y va là. Bon, attends, je vais pas le laisser tout seul. Tiens. Je te laisse avec ma copine, la slug. Parce qu'en plus, ils disent. Attends. Non, bah non, pourtant. C'est celui-là là? Je crois que c'est dans le gun en fait, dans le coach gun de base, c'est les slugs en fait qu'il y a dedans, c'est des grosses cartouches, grosses moustaches. Hop. Attends, je suis déjà venu là, moi. Est-ce que je tourne en rond depuis tout à l'heure? Attends, ça va où là? Oh putain, je suis en train de me paumer. C'est pas... par là? Mec... Non, maintenant, ça c'est le début. Attends. Arrête de te moquer, mec. Attends, voilà. Ah, regarde. Bah non. Là. Ah, hop. Attention. Et ah là, écoute. Et bon. Tranquille. Je gère. Tout va bien. Dans MGS4, je passais mon temps à regarder la map. Déjà, en plus, je faisais un truc un petit peu sale hier, c'est-à-dire que sur MGS... Rien de sexuel, hein. Mais sur MGS4, je jouais quasiment tout le temps avec le genre de Soliton, là, que tu fous sur ton œil. J'avoue, normalement, ça se fait pas trop. Mais je voulais absolument pas paumer les ennemis. Je suis désolé, je mérite vraiment pas ma gamer card. Hop, vous vos gueules. Oh, c'est chaud, à faire éclater vite, lui. Ok, ça c'est bon. Impeccable. Là, je vais traduire des trucs. Donnez-moi des phrases simples à traduire les BG. En quoi? En russe? En russe ou en anglais? Non, t'as dit que t'avais dans le partiel de russe, c'est ça? FRRU. Ah, Que votre moustache est belle, Illich. Pourriez-vous me présenter votre sœur Tatiana? Car ses cheveux sur l'oreiller ressemblent au champ de blé. Quand ton dernier soupir se finit dans un cri, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes.
Que je t'aime, Vladimir Ilyich Ulyanov. L'homme qu'il faut là où il ne faut pas peut faire toute la différence. Si merde, John McClane. Putain, la vache, ce que je mange. Tiens, toi, nique ta mère. Hop. Il est vraiment bien ce Biogun en fait. Hop, tac, hop. T'en faut combien pour toi? 3, donc je peux l'éclater avec une rasade comme ça. D'accord, ça c'est à retenir ça. Non, 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 d'accord. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais presque. Il est où le passage secret qu'il y avait dans une tombe là? Chacun prend un pot, c'est pas de bon sens. J'ai explosé, mec. La Palestine n'existe pas. D'accord, ok. Si tu traduis ça... Non, fais un truc sur la Crimée. Tu dis en russe... Y'a pas ni maillou... Crimea... Servievich... Mais attends, je viens de là, non? Oui, bah oui. Bah oui, mais je savais. C'est juste que je visite. J'adore les cryptes, hein. J'adore. Mais j'avoue que... C'est pas forcément mon forté, comme on dit. Tiens, toi, je te décapite. Je comprends la Crimée. Idou, vu Crimea, понимаю русский, хорошо. Voilà, tu dis ça. Déjà, là, si t'as pas 19, je comprends pas. Ensuite, tu fais un petit peu de charme pour passer à 20 tranquille. Voilà, mais je suis déjà venu ici. Oui, c'est là que je suis mort. Attendez, ce que vous faites, vous me tuez pas et ensuite on devient tous copains. D'accord? C'est bon? Eh bah écoute, voilà. Comme quoi, un petit peu de rechef. Et il est où mon passage secret? Putain, mais je suis pas attardé quand même. Enfin, il y avait bien un passage secret dans une tombe. Enfin, il est où oh, oula. C'est bien en jaune. Hop. Heureusement qu'il tire lentement, qu'il me préchote pas, comme disait le regretté Aristide Bruant. Attends. Bam. Alors ça, c'est super dangereux ce que je viens de faire. Hop là. Ça va, ça reste regardable. J'avoue que je bouge beaucoup. En même temps, c'est un shooter à l'ancienne. Alors tu bouges pas, t'es mort. C'est pas ça là? Non, mais non. Aristide Bruel. Attends. Si tu veux une phrase sympa à dire en russe, attends, mais faut qu'on l'aide, les mecs. Souvenez-vous, pas de russe. C'est une ref. Il l'aura, t'inquiète. Il va comprendre. On a baisé. Ah, enfin. Et alors, est-ce que Funeral et B4, comme le disent les légendes, ont des énormes quéquettes? C'est la... Chienne de vie, pote. Chienne de vie, t'es ouf. Voilà. Pekeb. Oh la vache! Attends. Ouh, les gars. Faut se calmer sur le pop. Franchement. Hein. Va falloir vous détendre un moment sur le pop de mob parce qu'on va avoir des. Pop de mob? Maintenant, y'a pas de problème pourtant. Je sais pas pourquoi je. Ah si, j'en ai dans ma tête. Attends, t'as mis quoi? Ktovi est ni stal est pédic? Qui c'est qui est pédé? Celui qui lit ça est pédé, c'est ça? Celui qui est en train de lire ça est pédé, c'est ça que t'as écrit, Yadar? Ouais, ok, d'accord, t'as vu, hein, quand tu commences à comprendre... franchement, ça se fait tranquille. Je sais pas pour sa tête, mais B4 ronfle comme un tracteur américain, mais enfin... Si tu veux, quelqu'un qui ronfle pas, c'est comme les mecs qui serrent la main mollement. Et comme les gens qui utilisent jamais de jurons aussi. Faut pas leur faire confiance. Quelqu'un qui ronfle pas, c'est quelqu'un qui va t'assassiner dans ton sommeil.
Oubliez pas les mecs. Ça c'est important. Alors je crois qu'ici on peut ken normalement parce que on est obligé de sortir pour la choper celle-là, mais regarde. Quoi? Tu vois pas que je suis en train de montrer un truc? Voilà. Ici, genre si on peut faire. Hop. Regarde. Hop. Hey ya. Alors j'ai le secret mais j'ai pas chopé le truc. Alors si tu peux te foutre de ma gueule, attends. Hop. Youp. Attends. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je pense que si je passe par là, regarde. Moi par exemple, je ronfle pas. Et voilà, et toutes les nuits, il plotte pour essayer de te piquer tout ton round-up pour faire du napalm et lâcher sur la Chine par exemple, tu vois. Comme quoi il faut. Attends. Si j'y vais vite, Fouachala. Et voilà. Heureusement que j'ai mes enseignements de mon maître de karaté. Quand je faisais du judo, mon prof, il faisait des kiai comme ça. C'était assez gênant, parce qu'en plus, tu sais, t'es petit, alors c'est tout est gênant assez rapidement. Et quand il était en train de faire des démonstrations à des pauvres gamins de 8 ans, parce que lui, c'était un mec de 2m10 pour 90 kilos, et qu'il nous enculait vraiment sans merci, il faisait les démonstrations de Uchimata sur des gamins de 8 ans qui avaient rien demandé à personne, il faisait « Hulus !» Et ça me faisait beaucoup, ça me gênait, hein, beaucoup. Mais en rétrospection, ça me faisait beaucoup rire. Le mec, il vit vraiment sa vie, quoi. Il est en plein combat. Tiens. Voilà. J'ai failli me manger une crotte. Regarde, regarde, c'est pas joli ici, là, le cimetière. Mais quand même, ça manque de... C'est mieux, hein. C'est pas mal. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ah. Là, on est bien. Et là, quand je coupe... Ouais, super. Ouais, c'est trop du massacre. Oh là là. Oh là là. C'est dommage, hein. Pourquoi je... Oh merde, j'ai plus de... Non. Avec la musique, on dirait un bon jeu. Non, 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 non. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que le jeu, il est mauvais, quand même. Depuis tout à l'heure, on a vu quand même des trucs super sympas. Après, voilà, le problème, c'est que, étant un rétro-shooter, et qu'il se base sur des trucs qui sont un petit peu... j'ai envie de dire éculés. On voit les limites assez rapidement du jeu, quoi. Mais non, c'est quand même pas un mauvais jeu, ça manque... Bah, ça manque de punch, mais ça manque de punch, du coup, uniquement au niveau de la soundtrack, en fait, parce que, comme tu l'as vu, tu me files une arène, tu me files une bonne soundtrack, si tu veux, c'est vachement rapide et très facile d'avoir un truc qui pète, tu vois. Tiens, enculé. C'est quoi, j'ai pas la clé. C'est un early access, oui c'est un early access. Après, ces niveaux-là, je pense qu'ils sont définitifs. Ça a beau être un early access, c'est les deux premières maps, du coup. Donc celle-là, c'est la deuxième map. Enfin, c'est la première, mais c'est la... Enfin, je t'emmerde. Mais je pense que ce sera quand même le contenu définitif. Il est là, je pense pas qu'ils vont rajouter d'un coup un truc. Parce que Quake, c'était pareil, hein. Quake, c'était très calme, c'était très dans l'ambiance. Train 13 Nord, il a fait un boulot qui est très... ambiante, quoi, tu vois, avec des trucs qui font peur, etc. Je pense qu'ils ont voulu claquer le même truc, mais bah, du coup, c'est un petit peu au détriment, parce que dans Quake, j'ai l'impression que ça rajoute pas mal à l'ambiance du truc, mais là, en fait, ça manque plus qu'autre chose. Donc, je sais pas quoi en penser. Ils vont peut-être modifier les musiques avant la release. Ah, ça me paraît très bizarre, quand même, parce que ça changerait vraiment, vraiment, pour le coup, l'atmosphère du jeu. Et ça me paraît très bizarre qu'ils changent ça, quand même. Ouh, merci, Tajin.
Aucune idée. Merci beaucoup Tadjin. Putain de... Eh oh, dis donc. Attends. Hop. Attends. Hop là. Choula. Bon, écoute, ça me casse les couilles. Je suis piégé. Oh, mais des Russianes. Tu iras dans le mur et c'est là que je vais te... Que tu vas me... Quoi? Quoi? Pourquoi je m'envoie des messages à moi-même et pourquoi je sais pas ce que je dis? Oui, tu... J'ai pas compris. Tu y vas dans le mur et c'est là que je vais te... C'est là que je vais te... proférer des murmures. T'as bur... Et j'ai rien fait, je suis en train de jouer depuis tout à l'heure, vous voyez bien. Attends. Comment ça, t'as burussienne? Qu'est-ce que c'est, ces conneries? Te bénure. Oui, te bénure, par exemple. C'est un... Après, c'est les péplums, je suis pas fan comme ça, mais... Oui, c'est un peu plum. On dit un peu plum. Ok. Y'a quoi là-bas? Un péplum. On dit un péplum aussi. J'entends des trucs qui ont du mal à respirer là. Je suis en train d'éclater depuis le début. Des enfants atteints de la mucoviscidose. Tiens. Ah, la vache, mais comment il m'a tapé là? Culé là. Tourne-toi. Voilà. Benoît, tourne-toi. Les péplum. J'entends Grégory le Marshall. Je suis envie. Qu'est-ce qu'il a chanté d'autre? Non, oui, il avait chanté Écris l'histoire. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudras, autre meaning. Heureusement qu'il est mort, rien. Non, je rigole. Non, j'aime pas dire des choses comme ça, le pauvre. Il avait beaucoup de talent. Il est mort avec une connerie. Bon, au niveau de la coiffure, c'était pas ça. Mais il avait beaucoup de talent. Et c'est un des seuls qui avait du talent, en fait, dans tout ce qui était la Starac et les conneries. Je préfère Michal. Ah non, moi je préfère Grégory le Marshall. De toute façon, tant qu'on me parle pas, si tu veux, Jean-Pascal. Jean-Pascal. Ou Félicien. Vous vous souvenez de Félicien quand même? Pourquoi on l'a jamais passé celle-là de Félicien? Attends. Attends. Vous vous souvenez pas de Félicien, les gars? Attends. C'est bien, hein? J'aime bien, ouais. Il est mort de rire. Le mec, il doit être dans son studio complètement éclaté. Il est mort de rire. Tu as entendu, mec? Quand c'est la fiesta. Putain. La 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 la. Non, il venait... Je crois que Félicien, il venait pas de la Starac, mais c'était carrément... merde. Love Story. Love Story. Je crois qu'il vient de Love Story, lui. C'est le même genre de talent, hein, de toute façon, mais... Il a plus de trucs dans le sang qu'Ardisson. Non, quand même pas. Quand même pas. Oui, attends, je vais ressortir par là-bas, plutôt. Choper le koum-koum. Ah, quand c'est avant que ce soit le koum-koum qui vous chope. Mais elle est éclatée, cette chanson, je trouve ça super. Mais qu'est-ce que tu fais, toi aussi, dis donc? Attends, parce que du coup, j'ai chopé la clé pour ouvrir le petit coffre. Hop. Aïe. Putain, tu vas l'ouvrir, ce con-coffre? Attends, je suis en train de le faire... Ok. Oh, c'est juste un petit... Du coup, je peux le buter avec ça, quand même. Ça marche sur lui ou pas? Ouais, ça marche, j'ai juste l'impression que ça marche pas beaucoup. Attends, va falloir que je chope de la vie, par contre, parce que j'ai mangé super cher. Là. Il vient de la Star Academy. Félicien, il vient de la Star Academy? Non. En vrai. Mais Starac, c'était pas... Il s'est fait... Il s'est pas... Lui, il s'est tapé de Jennifer? Non. Mais il vient pas de la Starac, Félicien. Il fallait pas chanter pour être à la Starac. Parce qu'il chantait pas, lui, il était bourré. Avant que ce soit le coup qui vous chope. Oh putain. Ah ben choper un coup. Jean-Pascal aussi, putain, Jean-Pascal.
Je suis un agitateur, un provocateur, une bête à poil. Ma name is Jean-Pascal. Ça, c'est ça, c'était de la chanson. Ouh la vache. Ça vient un peu ce... J'ai fait du shred sur mes joues. J'ai bossé mes gammes. Et voilà. Allez, shred. Putain, je me suis fait clairement baiser, en fait. Attends, j'ai un truc dans l'œil. Ah, je suis ému, je crois. Ah, mais ça me pique l'œil droit, les mecs. Attends. Ah, je vais mettre un peu de Monster Ultra White dedans, tiens. Ah, mais c'est relou, attends. Ah. Ah, c'est bon? Je sais pas si c'est bon. Si, ça a l'air bon. Ah putain, non, mais... Oh bah, casse-toi! Putain, j'ai un truc dans l'œil, là, ça pique. Non, non, je crois que j'ai un style qui s'est genre... il a fait un switchback 360 degrés et il est re-rentré dedans, cet abruti. J'ai un style qui cancel Dolifto dans mes paupières et c'est insupportable. Tiens, nique ta mère. Hop. Finalement, c'est pas mal, je trouve, en difficile. Ce jeu-là, pour le coup, ça rajoute vraiment pas mal de... Parce qu'en normal, j'avoue que le jeu, c'est un mid-grinder, quoi. Tu t'avances, tu éclates tout et c'est fini. Mais là, j'avoue que d'avoir un petit peu peur de certains ennemis et tout, ça rajoute pas mal au contenu, en fait. Je te jure, c'est pas grave. Wash away the anger. Et non, ça m'a fait pleurer le truc dans l'œil, là. Ça me pique encore, hein. En fait, là, littéralement, je suis en train de jouer avec un œil. Tu vois Berserk, tu vois John Berserk, tu vois Guts, pareil. J'ai un œil fermé. Ça me donne un petit côté mystérieux. C'était quoi le post du mec qui disait j'aime bien être tout seul au collège, assis sur un banc avec ma capuche. Ça me donne un air mystérieux comme Sasuke Uchiwa ou je sais pas quoi là. C'est ça, non? Et les filles, elles aiment bien ça. Je sais plus ce qu'il dit. Vous souvenez, non? Lilith, t'es ouf. Tiens. Ouais. Est-ce que tu peux... Dis donc, c'est à la vache, il est résistant, lui, hein. Attends. Ouais. Ça me donne un air mystérieux. Ouais, c'est ça qu'il dit, je crois. Il est fou, lui. Il m'éclate. En plus, on en connaît forcément un de mecs qui était comme ça au collège. Qui essayait de son maximum pour être mystérieux. Moi, je me souviens, c'était un mec qui... Bah, disons, coïncidentellement, c'était un mec qui lisait des mangas aussi, dans le collège. Le problème, c'est que c'était pas du tout mystérieux et tout le monde lui envoyait des gadins dans la gueule à chaque fois qu'on pouvait. Je te promets que quand ils ont mis des graviers sur... parce qu'en fait, avant, c'était plus ou moins de la boue, en fait. Enfin, mon collège, c'était le Moyen-Âge, hein. Et du coup, ils ont rajouté des graviers en cours d'année, là où on garait les scooters, tu vois. Je te promets, mon gars, ça nous a fait un lot de munitions pour 3 ans. Il a mangé pour toute sa vie, le poteau. Hein. En plus, c'était marrant parce que il faisait rien, en fait. Il parlait à personne, il lisait ses mangas, tranquille, tu vois. Oh la vache! Attends, s'il te plaît. J'en prends plein la gueule. Finalement, en difficile, c'était un peu con. Je suis là. Oh, regarde. Doucement. T'as la vache. Je tire sur personne et sur tout le monde en même temps. Je sais pas comment je fais. Ouh, Russienne. Tu vas louper tes partiels. J'ai pas de partiel, moi. Hein. De quoi tu parles? Mais t'es complètement éclaté, toi. T'es qui? Espèce d'abruti. Ok. Par contre, si les développeurs écoutent ce stream, faites des animations de rechargement fun ou un peu tarées, limite ceux de Battlefield Hardline, voilà, les attaques sur les whips mystérieux peuvent continuer. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en fait, des trucs de rechargement. Vu que tu recharges pas. Ou alors tu veux dire juste des coups de feu, rigolo. What it was of the fuck? Quelle est cette baise? C'est quoi qui m'a buté? Qu'est-ce que c'est qui m'a buté? Mais mec, en tout cas, merci Russian, mais on comprend toujours pas ce que tu veux. Hein. Ah oui, mais c'est pas vraiment une animation de rechargement, du coup, oui, c'est une animation de tir, quoi. Mais le truc, c'est que comme le jeu se prend très au sérieux,
Enfin, y a rien de fun dans le jeu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de soundtrack ultra vénère avec du gros métal. Tu vois, du gros métal. Les gars, ils vont jamais rajouter de trucs rigolos avec les cartouches qui vont dans tous les sens et tout, tu vois ce que je veux dire? Ah, ils le rajouteront jamais, ça, mec, hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas où? Et bon, ça a l'air chiant à manœuvrer, encore pareil, hein. T'es enculé, va. Est-ce qu'en fait, je me suis fait téléfrag? Non? J'ai l'impression que je me suis fait téléfrag par un ennemi quand il m'est venu dessus. Enfin, quand il m'a... quand il m'a... apparu dessus. Après, comme le gars est tout seul, il peut pas rajouter plein de petits trucs. Bah, c'est ça aussi, ouais. Et puis, comme il est tout seul, ça m'étonnerait qu'il va venir sur ce stream en particulier. Voilà. Ah, ok, c'était lui. Ok, c'était ici. Doucement. Est-ce qu'il va avoir son... Ouais, c'est bon, lui aussi, son pathfinding, il est éclaté. Allez. Oh la vache, il est éclaté, mais... Il est en train de m'enculer. Non. Un PV, s'il te plaît. I believe in the power of Jesus Christ. Bah... Ah oui, mais t'es con. Oh là là, ouais, oui, ça c'est le one. On m'aura pas deux fois au même jeu, regarde, bim, 31. On va arriver à 61 avec lui, et là-bas on va se refaire aussi. Ouais, il y a du monde. Ok, ça va où ici, là? Bonsoir. J'ai dit bonsoir, voilà, impeccable. True Survivor, la chatte d'enculé. Mais vous savez qu'il n'y a jamais juste un PV. Le 1 HP, c'est jamais 1 HP en fait. C'est juste qu'ils augmentent le nombre de PV sur le dernier PV. Pour justement donner un air de waouh, putain, j'ai frôlé la mort. Et en fait, non, il doit te rester. Quand j'avais un PV, il devait me rester 10 PV, 8 PV, tu vois. Un truc petit, mais qui fait quand même son importance au niveau d'un gunfight. C'est comme sur code ou des trucs comme ça, où en gros, quand ton écran il est rouge de partout, tu peux quand même encore survivre pendant... tu peux survivre plein de coups de fusil encore, alors que t'as l'impression que t'es immortel, tu vois. Tu vois là, par exemple, ce serait quand même bizarre que deux fois de suite, pile les dégâts qu'ils m'ont fait, ça m'ait viré à m'en laisser un, tu vois. Et non, c'est un petit délire de dev, pour donner une impression de dynamisme, en fait, au gunfight. Voilà. Tu veux se tester pour voir? Ah, mais j'ai pas les chiffres. Ça va être compliqué, scolar. Sur code, c'est une bonne minute sous les balles quand l'écran est rouge. Ouais, faut quand même... ouais, faut être cuit pendant un moment, ça c'est sûr. Y'aurait pas un petit passage secret par là, là? Passage secret. Et non, j'en ai vu aucun... C'est où, ici? Vas, spiritual. Vas, honorable. Vas insigne devotionis. Ah, il était dans un mur. Oh, oh putain, c'est là. Putain. J'y bère. Attends, c'est quoi? Je vais mettre un soul tether. Soul shaken. Earthquaken. Change. Tout, 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 tout. Attention. Chapla. C'est qui le master gamer? Bordel de merde. C'est où ça? Comment on entre là? Non? Comment on entre? Par là? C'est pas ici, hein. Comment on rentre là? Ah, c'est là. Ok, c'est bon. Il était où, le coffre? J'ai vu un coffre tout à l'heure. Ouf, attends. c'était pas là. Non, il y avait un coffre tout à l'heure. Russian a lâché 1€. Blabla, j'encule unloved, on y croit. Je sais pas, mec. Je vous promets que je sais pas, en fait. Je suis comme vous, et du coup, oui, on a la comment on dit? Le reveal, en fait, que c'est bien Jean-Jean qui donne... je sais pas ce qu'il veut, en fait. Que voulez-vous? Attends, il faut communiquer avec lui. Je trouve pas, c'est ça? Nous amis! Nous société! C'est bon? Bordel de merde!
Du coup, en reparlant des reloads de BF Hardline, j'ai réécouté l'OST que je trouvais bien cool et je viens juste de voir que le mec qui a fait l'OST du jeu, il s'est aussi occupé de la musique originale de The Grand Tour. Non ! Ah ouais ! Ah, c'est marrant ça ! J'aime bien la musique de The Grand Tour, il a des bons choix le mec. Et du coup, je sais pas si c'est le même mec qui a fait les OST de The Grand Tour et de Top Gear du coup. Attends, ça va où ça ? Parce que du coup, ça descend là ? Mais ça monte et ça descend en même temps. Qu'est-ce qui monte mais qui ne bouge pas ? Un escalier. Alors attends, il est où le coffre ? Vous vous souvenez qu'on a croisé un coffre quand même ? Je suis pas complètement con non plus. Je veux bien admettre que j'ai des difficultés à faire des tâches simples. Mais quand même, putain. Attends. J'aime pas trop ton humour. Moi non plus. Allô ? Allô ? J'attends des gens, hein ? Hop là ! Merde. Du coup, c'est quoi ? Ça ouvre quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est chaud. Attends, parce que... Du coup, ça descendait aussi ? C'est où que ça descendait ? Ça descendait quelque part, là. C'était par là, genre. Ici, là, ouais, c'est ici que ça descendait, ok. Avec un peu de chance, le coffre, il est là et je me suis juste gouré, en fait. Ah, waouh, waouh, waouh. J'ai eu mal comme Wario. Mais ça descend pas du tout, en fait, c'est juste le début du niveau, ça. Putain. Abruti. Oh, le cono, là. Mais je l'ai pas ramassé, ça. Je comprends pas ce qu'il fout, le jeu, en fait. Il y a des trucs surnaturels qui se passent un peu, hein. J'allais voir sur Wikipédia, il y avait pas de gars à la musique de Top Gear, c'était juste des titres choisis par la prod et Jérémy. Ah. D'ailleurs, c'est qui ? Non, c'est personne ici qui nous avait dit que dans l'épisode Seamen de The Grand Tour, il manquait de crever. C'était pas quelqu'un sur le chat, c'était quelqu'un d'autre, je crois. Enfin, c'était quelqu'un IRL, il me semble. Je sais pas où il est le coffre, le mec. Il y avait un coffre, hein. Il y avait un coffre quelque part. Mais si, ouais, mais justement, c'est ça le jeu de mots, en fait. Ils appellent l'épisode Seamen parce qu'ils sont en mer, en fait. Ils ont pas une seule bagnole de tout l'épisode, ils font juste du bateau. Bon bah écoute, c'est pas grave, on va se barrer. Boum, touloulou, tout. Ah, y'a quelqu'un qui a vomi. Tiens, c'est ta mère. Disons, le mob placement, il est vraiment vénère. Il y a des moments où t'es un peu obligé de te prendre une caisse. Enfin, je veux dire, checker les corners pour être sûr de pas louper son truc. Mais je suis où là? Je suis retourné dehors là? Mais attends. Non, c'est pas le même dehors. C'est un autre dehors ou c'est un dehors alternatif ou... C'est pas au Nouvel An que quelqu'un a dit ça ? Eh ben je sais pas. Je sais pas si c'était au Nouvel An ou si c'était Chromax qui m'en a parlé une fois où on était au ciné, je sais pas. Je sais pas qui c'était. Mais il a menti en fait parce que oui c'est la merde mais il manque pas de crever. Du coup moi et Spider on était un petit peu déçus. Hop là. C'était sur le chat. Ah ouais ? Bah oui, du coup, on a été un peu déçus, hein. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle scène ou un genre de nouveau chapitre dans l'épisode, tu vois, on disait « Ah, c'est peut-être là qu'ils vont crever, c'est peut-être là qu'ils vont crever !» Et ouais, il y a certains moments, tu disais « Putain, c'est chaud, tu vois !» Mais non, il n'y a aucun moment où on s'est dit qu'ils allaient claquer. Et je suis désolé, mais tu joues pas avec la vie de quelqu'un comme ça. Tu joues pas avec son appréciation d'une série comme ça, ça se fait pas. Bon, l'épisode était génial, hein. The Grand Tour, c'est super déjà de base. Mais ouais, non, ça allait en fait. C'était pas leur pire. Il y a eu des trucs qu'ils ont fait où c'était bien pire. Je disais à Spider, l'épisode où ils sont en Afghanistan, bah, je crois que c'est celui-là. Où ils sont en Afghanistan et à un moment, il y a une corde, ils essaient de tracter quelque chose avec une corde. Et la corde, en fait, en se tendant, elle pousse James May. Et il s'éclate la tête contre le sol, il saigne, il commence à avoir des convulsions et tout. Parce qu'il a clairement un trauma crânien. Ça, c'était un peu chaud déjà. C'est comme disons, c'est chaud ici aussi. Tiens, je te chie à la gueule. Avec ton propre caca en plus, si ça c'est pas le... Donc lui, il en faut 4 des petites bubules. T'as failli buter bubule. Ah, là, nice. Impeccable, je suis mortel. Tu sais ce qui manque aussi. Surtout dans les jeux, voilà, un petit peu médiéval, fantastique, rigolo dans le genre. Des mimiques. J'aime beaucoup les mimiques. Parce que c'est toujours un succès, un peu comme en Club Benz.
Et par exemple, dans Enter the Gungeon, j'adore leur système de mimiques parce qu'ils peuvent atterrir de... Ça peut être plein de trucs différents, en fait. Il y a des mimiques, c'est juste des bouts de mur. Il y a des mimiques, c'est des coffres. Il y a des mimiques, c'est même des piédestals. Des piédestaux ? Non, des piédestals. Des piédestals d'armes. Et ça te nique bien à chaque fois. Et j'aime bien ce délire, moi. L'Afghanistan, c'était Grand Tour ou Top Gear ? C'était Top Gear, ouais. Ils ont pas encore fait l'Afghanistan sur ce Grand Tour. Ou même, tu vois, justement, pour revenir à Top Gear, l'épisode où ils sont dans les Falklands et qu'ils ont leur cruel Aegis. Alors, c'est quoi, attends? Ça veut dire que quand je tue quelque chose, je reçois un peu de vie. Ça, j'exchange du Leaf Blood pour de l'invisibility. Ouais, mais je veux rien, en fait. Non, je veux rien. Qu'est-ce que ça? Je veux rien. Si je me mets au milieu, là. Je veux rien. Comment je veux rien. Ah non, mais il faut... Ah, d'accord, c'est l'équiper pour utiliser, en fait. Donc, ok, c'est bon. Non, c'est bon, c'est moi qui suis con. Regarde, on va l'utiliser ici. On va l'utiliser ici, comment on fait? On va l'utiliser... Comment on utilise... Attends. Contrôle. Comment on utilisait? C'était pas F? C'est R. Ok, c'est R. R. Tiens, regarde. Chaque... Bim. Bon, ça redonne pas grand-chose, mais bon... J'adore vraiment le bruit du de leur super shotgun. Mais même celui du coach gun, quand on écoute, je sais pas, écoutez bien le retour d'écho qu'on entend. C'est sympa, non? Genre ça englobe bien la tête en plus, mais j'aime bien. C'est sympathique. Ouh. Ouais, non, c'est cool, j'ai au niveau son, à part au niveau de la musique, quoi, c'est vraiment sympa, je trouve que c'est solide, tu vois. Oh putain, non mais ça c'est super bâtard. Les gars, en plus t'es con toi, alors je suis désolé mais ça va pas se... Ça va pas se goupiller. Ah. Ok. Du coup je sais pas ce que je fais après, si jamais je vous fais du What the Golf, qui avait l'air rigolo, ou alors je vous montre un peu du Sigil. C'est un peu comme vous voulez d'ailleurs, ce que vous voulez voir en premier. Et du coup, attends, ça mène où, ça, là-bas? Je suis pas déjà allé. Non, ça mène sur du fermé. Oula. Fais What the Golf, STP. Putain, Momo qui préfère voir du golf qu'un WAD. Alors ça, c'est bien bizarre. T'as changé, Alexis. Hein. C'est quoi, ici? Aïe. Je subis alors. Ah, putain. Ah. Je suis terrifié. Ok. La vache, ils ont failli me buter, les cons. Momo, il préfère Ori à Wolfenstein. Je m'appelle Fabrice désormais, c'est vrai. J'ai toujours pas compris ce délire d'ailleurs sur Discord. Pourquoi tu t'es appelé Fabrice? Je sais pas si c'est un rapport avec le mage noir ou pas. Peut-être pour ça qu'on a tous mal à la tête, qu'on a tous la chiasse. Que Spider, il dort 60 heures par jour. Non! C'est rien. Tout va bien. C'est quoi le plus près? C'est un Soul Tether ou c'est un Shrine que j'ai fait le plus près? Putain, je sais même plus. Putain, je sais plus. Je sais... Putain, mais ils disent pas ça en plus, les connards. J'expliquerai. Donc du coup, on choisit quoi après? Ouais, ça a l'air d'être ici. Ouais, ça a l'air d'être proche. Ouais, bon, ça va. Genre peut-être 60 heures par jour, mais je t'encule à Tetris. Ah bah ça... Franchement, j'ai pas envie de retirer quoi que ce soit à ton mérite. Hein. Mais t'en as pas du mérite. Parce que je suis vraiment une énorme merde à Tetris. J'ai essayé de jouer à Tetris Effect, et j'ai pas eu un seul effect. Parce que je suis juste vraiment complètement merdique. Attends, refile-moi ça alors. Voilà. Ah vraiment, ouais, je pue la merde, mais quelque chose de fantastique. C'est où ici? Pourquoi je devais aller là? S'en fout, là. Ok. Facts. non, c'est catastrophique. Je m'embrouille. Je fais. En plus, à chaque fois, je fais des petites erreurs. Genre, je décale d'un. C'est de un bout de tes trominos, en fait. Ouais, parce que... je connais un peu les termes. Mais à chaque fois, je décale de un. Parce que j'ai pas les yeux en face des trous, je sais pas. Et du coup, ça me nique pour tout mon run. Et je fais ça tout le temps. Je suis vraiment une énorme merde à Tetris, ouais. Voilà. Ouais, il monte.
Ok. Ah, j'ai pas vu qu'on voit leur âme partir en fait. Attends, ça le fait avec tous? Ah oui, ça le fait avec tous en fait. On voit un petit on voit leur âme s'enfuir en fait. Ah non, c'est peut-être le lifeblood, c'est peut-être quand moi je les collecte en fait. Avec mon Heart of Thorns là. Heart of Glass. Vous connaissez cette chanson, elle est bien, non? Le truc de la merde, j'ai failli me pisser dessus. On comprend pas ce que tu dis, Jean-Jean, et c'est pas agréable. Ok. Hop, Guitaras. Voilà. Selon vous, vu qu'on avait parlé avec Russiane, à savoir que la forme géométrique des pièces de Tetris, c'est les tétrominos, ça fait de toi quelqu'un de grande culture ou juste un putain de nerd? Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu savoir si t'es un true gamer ou pas un true gamer. Tu vois, comment ça se calcule la gamer card, tu vois? Genre, j'ai jamais fait un Kirby, tu vois. Du début jusqu'à la fin, j'ai jamais fini un seul jeu Kirby. Et pourtant, j'ai fait MGS3 en extrême européen. Tu vois, je pense qu'en fait, il faudrait établir un genre de liste. Un petit peu comme... des tests de personnalité Facebook. Vois-tu? Pour... et genre... T'as plus 5 points, moins 5 points, plus 10 points, des trucs comme ça, tu vois. Genre, t'as fini Doom. T'as fini au moins le premier épisode de Doom, tu vois. Knee Deep in the Dead. Eh bah écoute, plus 20 points. T'as jamais joué à Doom, moins 10 points. Des trucs comme ça, tu vois. Ta vanne pourrie sur la merde, elle était incroyablement cool. Mais je me souviens même pas de quoi il parle. J'ai fait une blague sur la merde, moi, je me souviens même pas. T'as pas fini God Hand, c'est moins 500 points. Ouais, oui, bon, allez. Tant pis. Écoute, c'est pas grave. Lily plus ZZ. Ouh! Y'a personne? Aïe aïe. Qu'est-ce que vous avez à vous foutre de la gueule de mon accent depuis le début du stream là? C'est incroyable! Vous y mettez à plusieurs en plus. T'as fini Ryzen plus 1000. Après, tu seras le seul parce que même les devs ils l'ont pas fini donc bon. Ouh. Ouh. Putain, tu vas claquer! Ah la vache là! Ça m'a fait chialer de rire. Mais de quoi il parle? C'est quoi la blague de la merde? Qu'est-ce que c'est la blague de la merde? Oh, oh putain! Oh la vache, true terror poteau. Tu joues match sur Death Stranding, moins 5 points? Ah sur Dark Souls, oui du coup c'est plus... Oh, d'accord. Ok. Là, par exemple si t'as fini Elex, eh bah moins 50 points tu vois. Des choses comme ça. Bon écoute après, ça se calcule hein. Ils sont où? Tiens. Casse-toi, j'aime bien comment il se déplace. Ok. C'est la même posture et le même déplacement un peu accéléré quand t'as fini de chier mais tu t'es rendu compte qu'il n'y avait plus de papier. Tu sais le genre de squat walk. Est-ce que je peux l'éclater avec? Ah non putain, ils sont résistants en plus les cons la vache. T'as acheté la Gamer Girl Bathwater multiplicateur par 5. Attends là non, c'est la merde ce que je fais, c'est la merde ce que je fais. Voilà. Il y en a un deuxième, voilà c'est bien ça. Fâche, ok. Fâche le dit. Ok. Non, n'écoute pas. Ok, c'est bon. Personne hein. Je suis en train de me chier dessus poteau et ça devient vénère là. C'est bon. Je peux sortir? Bon toi t'es con toi. Oh putain, Russian. Oh la vache. Ah, celle-là, je suis désolé, mais... Oh putain. J'ai vu toute... En fait, quand j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire...
Arrête de roter comme ça, c'est mal poli, sale et très désagréable à écouter. Je m'en bats les couilles, je t'emmerde et va te faire enculer ta race. D'ailleurs, j'ai entendu des choses sur ta mère. Voilà. Voilà. Bon, cette fois-ci, on recommence pas. On se détend, d'accord? Putain. Ok. Tabaqué chez le Mou3, plus 100. Non, avec moins 1000, mais de ouf. Moins 1000, t'as... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? T'as fini... Putain, mais attends, c'est vraiment la merde ce coin-là, en fait. Comme les backers du jeu dans l'espace. Ah oui, le jeu dans l'espace. Oui, maman, le jeu dans l'espace, oui. Et Zach. C'est ça, Subverse? C'est quoi, Subverse? Mais attends, j'ai l'impression que je vais pas au bon endroit. Y'avait pas d'autres trucs? Pitié. Attends, bah j'ai plein de Soul Tether, on va faire ça comme ça, parce que... Oh la vache! Oh, une petite crypte, c'est mignon! Attends! Il m'a coincé! S'il te plaît, je t'emmerde! 6 PV! Ok, c'est bon. Oh! Je veux repartir! Non, je veux repartir! Ouh la vache! Il veut pas claquer! Attends, ok. Ok, c'est bon. C'est bon? Non, si, c'est quoi? Ah non, attends, Subverse, c'est pas le jeu, oui, dans l'espace où tu dois niquer des meufs, là! C'est bien ça! Je me souvenais juste des illustrations qui sont, ma foi, très artistiques. Il y a une patte, je trouve. Il y a un artiste derrière, ça se sent. Mais oui, maintenant, je m'en souviens, ouais. Combien de points pour Cube World? C'est... Au risque de me répéter, hein. C'est quoi, Cube World? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Vraiment, pour moi, ça reste un mystère, Cube World. Je comprends toujours pas ce que c'est, toujours pas ce qu'on y fout, et toujours pas ce que les gens, ils attendaient, vraiment. Mais je sais pas, ici, mais moi non plus, je sais pas. Le monde des cubes, bah oui, mais bien sûr, mais... Oh la vache, ils sont super résistants. Là, je vous appelais super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Ok. C'est bon, on est bien. Après, je teste vite fait en Outlander, juste pour voir à quel point c'est plus difficile. Tout. Tiens. T'as fini Unipop à 100% de 150 points. Non, ça c'est pas que t'es un gamer, c'est que t'es un homme de goût, ça. Comment il s'appelle le deuxième? Unicam Studio, je crois, non? Il me semble que c'est ça, non? Ou Unipop Studio? Non, Unicam Studio, je crois. Oui, c'est ça. Unicam Studio. Très bon jeu de gestion. C'est quand même bien mieux qu'un Total War. Bien plus pointu aussi, plus pointu. Aïe. Voilà. La gestion à son paroxysme, bah oui. Ah bah quand même. On peut le... Ah putain la vache. J'avais 70 PV poteau, hein. Je crois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur recharger. Voilà. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on est con. This is what happens, Larry. This is what happens when you fuck a stranger. Mais mec, non mais c'est une blague. Il me l'a fait pop dans le cul celui-là. Ça fait pop dans le cul ça... Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête instantanément. C'était chiant Unicam, il y avait des limites de temps et tout. Toi, tu préfères Unipop toi. Tu pouvais te branler, t'avais tout ton temps. Je trouve qu'aussi ils sont invincibles pendant trop longtemps quand ils pop.
Là ça allait, là au niveau timing ça allait. Voilà. Comme dit Space Waifu, l'apex du shmup. J'ai jappé. Oui, tout à l'heure j'ai jappé, mais j'ai jamais joué à Deep Space Waifu. Autant Unipop, Unicam, d'accord. Necopara, d'accord. Hyper Dimension Neptunia, pourquoi pas. Mais alors Deep Space Waifu, vraiment pas du tout, tu vois. Y'a un mode une main. Ah tiens. Pas con les mecs. Mais tiens, tu sais quoi, ça au niveau game design, eh ben ça prouve que les mecs, ils ont compris leur fanbase et qu'ils sont à l'écoute, voilà. Parce que pour avoir un mode une main sur Doom, et puis personne, hein. Même sur H-Doom, t'es obligé d'avoir les deux. C'est bon. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, non, on vous le streamera pas, H-Doom. Ou alors si, mais là, au même endroit où on stream les films. Parce que je pense que sinon ça va causer gros problèmes. Et ça va être très gênant aussi, je pense. J'ai de la cendre partout. Habitant pompéen. Ouais, je fais des blagues historiques, écoute. Pas parce que je suis un scientifique et un artiste que je peux pas aimer l'histoire, hein. Je suis chaud pour faire un stream de Unipop 2 sur le ciné dès que je peux. Unipop 2? C'est lequel que j'ai fait? J'ai fait le 1 mois, il y a eu un 2? Oh la vache! Ok. J'ai joué auquel moi? Ah, va y avoir un 2, d'accord, ok. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. C'est quoi là-bas là? Attends, je veux ça moi, il y a de la vie là-bas. Arrête de recharger, t'as une lame, abruti! Putain, je suis con! C'est pas comme ça que je vais choper la koum-koum, hein! Attends, faudrait même que je. Hop là! Je t'ai envoyé ma dernière création. Quoi tu parles? Quoi? Où ça? Quoi tu parles? Oh là là, putain! Pff, tu parles pas à moi, beau gosse! Y'a quoi ici? Ok. Si? Mais tu m'as envoyé ça où? Mais tu m'as envoyé ça où? Putain. Où? Où? Référence MGS5. Messenger. Bah oui, mais mon portable, je sais pas où il est, mon portable, moi. Il est à des années-lumière. Non, mais vraiment, il est où, par contre? Je sais pas où il est, mon portable. Je crois que je l'ai têche tout à l'heure. Ouh. Qu'est-ce que... Je dois aller où? Je dois aller où? Je suis complètement paumé, en fait. Tiens. Ok. Je suis pas venu ici pour s'ouvrir, ok? Je sais pas du tout où je dois aller. Hein. Je suis sorti par où? Je suis sorti par là? Je dois aller où? Attends, parce qu'ils nous ont fait sortir par là, donc logiquement, j'ai envie de game designment parlant en fait, ça veut dire qu'il faut que je backtrack. Ou alors, il nous faut ressortir par là pour pouvoir rentrer par là. Bah non, j'ai buté tout le monde. On va voir, c'était les grandes portes là. Attends. Est-ce que ça servait à rien ce que j'ai fait? Non, là je suis déjà passé. Oui, je suis déjà passé. Putain. Je suis pau max, mon gars. Faut que je me re-TP? Faut que je... Non mais non, y a un portail normalement à la fin, y a un portail! Oh là là, eh ça va... Ah c'est là-bas! Oui c'est là-bas non? Certainement que c'est ici? Du coup... Bonsoir? Attends... On sent le gars qui a les heures sur GeoGuessr. Écoute... Écoute-moi bien, gamin. Quand on a vu des choses comme moi... Ok. Alors tu vas fermer ta gueule. D'accord. Waouh, j'ai monté, j'ai pas fait exprès. Attends. C'est quoi au-dessus, là? Y'a un truc? Ouais, y'a une armure, attends. Hop. Voilà, picarbe. Oh, picaille.
Ouh ! Tiens, je t'encule. Toi, je te pareil. Et toi, voilà, gaiement. Impeccable. Quand j'étais gamin, à mon collège, il y avait un mec qui s'appelait Gaylord. Et on l'a pas assez vanné. Je dis ça en rétrospection, tu vois. Il s'appelait littéralement Gaylord, hein. G-A-Y-L-O-R-D. Et on l'a très, très rarement vanné dessus. Franchement, je suis... Je suis super déçu, en fait. Salut, ma gang de tabarnak. Oh la vache, elle est lent. Attends. Ah, trop tard, je save, maison. Toi aussi, t'as save. Putain, t'imagines, l'ennemi, il arrive à save dans une shrine comme ça, et du coup, il revient à l'infini. Est-ce que ce serait pas complètement stylé? Ça se trouve, là, il a reload, et il est en train de me péter la gueule en boucle dans d'autres réalités. T'imagines? Et c'est devenu lui, le héros, tu vois. Il a compris que il pouvait sauvegarder sa partie. Il a chopé des soul tethers et tout. Je suis next, moi, mon gars. Non, je vais pas faire ça, en fait. J'ai monté, tout le monde en prend pour son grade, le Franz Zosich, les espaces confinés, le game design. What are you parling, espèce de malade mental? Ouh, lâche! Voilà. Pekeb. Encore? Lâche. En plus, ils sont pas... C'est ça, c'est parce qu'il y avait une petite flaque de pipi que j'ai eu mal. Ils sont pas aussi agréables à buter que les Cacodemons parce qu'en fait ils sont super rapides. Ils te tirent dessus et ils viennent te manger. Faut savoir si ton ennemi c'est un distance ou un corps à corps parce que c'est vraiment compliqué là. Mec, c'est un super concept, je vais te le piquer, bien sûr. Mais j'ai l'impression que... Bah, c'est pas tout à fait pareil, mais... Dans il y a un film avec Ryan Reynolds qui va sortir... Guy, je sais plus quoi, pas Nice Guy, mais un truc dans le genre, où il joue un NPC, en fait, dans un truc un peu à la GTA Online. Et du coup, ça pète en permanence autour de lui, et lui, il vit tranquille jusqu'à un jour où ça part en couille. Sinon, il y aurait pas de film. Haha, baston de vomi. Impression d'être au collège. Baston de vomi. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça plus souvent? C'est sympathique. Ouh, de la lave. Oula. Oh, un AVC. Il peut me tirer dessus d'ici ou pas? Eh, tu pisses pas loin, hein. Alors si je me mets là, je suis tranquille, regarde. Ah, regarde. Je suis immortel. Ah, vous tirez juste avant moi, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent pas me tirer dessus, en fait. Regarde. Ils ont pas envie de me tirer dessus, en fait. Ils tirent juste devant. Tiens, tu sais quoi, je vais rallumer ma clope. Ils ont pas une explosion satisfaisante aussi, les proto-cacodemons, du coup, mais... Bah, si, ça va encore. Ah bah là, oui, ils anticipent un peu trop, parce qu'ils anticipent les mouvements que je vais faire, mais dans 2 minutes. Ok, c'est parti. Ouais. Ouais. Attends. Non, vraiment, hein, le shotgun... Oh la vache, putain, le pop. Mec, c'est vraiment compliqué. Je sais plus, j'avais fait un soul tether ou pas? Ça fait chier que tu saches pas c'est à quel moment que t'as fait un soul tether ou un shrine. Tu vois, lui, par exemple, bah, c'est chaud, tu vois. L'IA est quand même niquée. Ah bah ouais, l'IA, elle est pétée, mais bon, écoute. Faut que je parte par où? Non, faut que je remonte, là. Gros loser. Ouais, c'est dur aussi, oh. Un peu de compassion de la part des viewers quand même. Oh. Oh. Hey. Tiens. Toi, ta gueule. Ouh. Bien sûr. Ouh la vache, putain. Il a des potes. Il a ramené son cousin. Il a ramené son grand frère. Ouh. Quand j'étais gamin, j'avais les pires menaces. Comme ça. Où je disais aux gens qui me faisaient chier ouais, mon grand frère il va venir pour te découper à la tronçonneuse ou des trucs comme ça. Et ça a impressionné jamais personne, en fait. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte. Non, j'ai peut-être mis un tether, en fait. Je suis là, hein. Aïe. Ok. Tac, je crois que j'avais mis un seul tether, en fait, dans le coin. Oula.
Vous êtes t'es vraiment con. Tu fais vraiment partie d'une race qui est pas facilitée. Ah. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Est-ce que tu penses que je peux les avoir d'ici? Oh oui. Bon, ça va, il y a de la portée en fait sur ce truc là. Ok, bon, écoute, c'est déjà ça. Je vais éclater les cacos mon cul. Ok, il y a du caco demon collé au shotgun. c'est marrant ça, non? En plus, ça rime un petit peu. Ah, j'ai mal au crâne, je vais claquer. Ah putain, les conneries. On veut une version complète. Ça va faire une Akula Bamboula, si je puis dire. Ils sont où? Il y en a un qui pop normalement. J'avais vu qu'il y avait un petit bitonio qui rend. Aïe. Attends, laisse-moi montrer mon bitonio au copain. Regarde, quand je charge mon coup, là, il y a un petit bitonio qui. Pip, pip, pip. C'est rigolo, non? Non, c'est pas très rigolo. Oh la vache! Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ok. Ok, impeccable. Oh non, c'est dégueulasse. Ok. Fou la vache. Ok. Aouh. En fait, je pense qu'il faut beaucoup plus utiliser les runes que ce que je fais maintenant. Surtout en hard. Je pense que j'utilise pas assez les aimants de gameplay qui me sont offerts, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Russian les interrompt en plein fond du parti. Je suis désolé tout le monde, hein. Je voulais pas, mais en même temps, j'arrive en fondu et au lieu de m'en proposer un petit peu, au moins tu me proposes un bout de pain, quelque chose, tu vois. Après, je dis ça, je sais pas comment ça passe, parce que j'ai jamais fait de fondu de ma vie, mais... Si, c'est en gros, t'as des petits bouts de pain et puis tu les frontes dans le fronton, c'est plutôt plus ou moins ça. Tu fais des Welsh, mais sur place. C'est du Welsh DIY, en fait. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Welsh ici, mais... Ah, fuck! Ok. Eh gars, je suis désolé, mais ça fait bim bam boum de ouf. Alors Momo, il a cette chanson. Quoi? C'était quoi, un Dark Helm? Pourquoi je suis un Dark Helm maintenant? C'est super stylé, mais je comprends pas. Il a cette chanson bloquée dans sa tête depuis environ 2 semaines, donc faut pas trop le lancer dessus. Je connais les wesh. Non, non, les... Ah, oh, la vache, il m'a vomi sur la gueule. Oh là là. Welsh, ça veut pas juste dire gallois. Si, c'est ça, Mirage. Donc, en fait, je vous propose de bouffer des gallois, ouais, des gens du pays de Galles. C'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Bonne perspicacité. Je trouve que t'es vraiment bon en langage. Mais non, le Welsh, vous connaissez pas le Welsh? Attends. Welsh Nord. Parce que c'est un plat du Nord-Pas-de-Calais. Donc, bon, c'est pas vraiment subtil, hein. Mais si je vais vous montrer, je suis sûr que vous allez bien aimer. Genre, vous allez dire, ça a l'air bon. S'il y a des gens qui disent ça a l'air bon, c'est que j'ai réussi mon pari, tu vois, sur la vie. Regarde. En gros, tu prends un genre de ramequin, tu le bourres avec tout ton frometon que t'as pas utilisé depuis. Alors apparemment, il faut des curly aussi. Mais voilà, tu bourres de fromage, tu fous un genre de grosse tranche de pain que tu noies sous le fromage. Et il y a des gens qui rajoutent un œuf aussi, parce que c'est pas assez gras. Donc ça s'appelle en Welsh et moi j'en ai bouffé dans le Nord et c'est pas mal, mais enfin c'est surtout de la bouffe, c'est un truc d'hiver, un petit peu comme les ligots, si tu veux. C'est un truc tu bouffes, t'en as pour 2 semaines, mais non, c'est sympa. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, donc du coup la fondue. J'ai l'impression d'être Caradoc, mec. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le magret de canard. Mais oui, en fait une fondue c'est un petit peu du Welsh mais en DIY, que tu fais sur le moment, à emporter, quoi. Tiens ta gueule. Tiens ta gueule, voilà. C'est une fin de fondue, ouais c'est ça. Je suis désolé, j'utilise beaucoup le super shotgun, mais y'a rien qui démembre les ennemis aussi facilement que ça, donc... Voilà. En plus, j'ai envie de dire, ils ont fait une connerie, dans le sens où... Le clic droit du shotgun... il est vachement bien à distance. Donc finalement, il te sert tout le temps. Il te sert aussi à éclater les ennemis, les groupes d'ennemis les plus faibles, tout comme les ennemis les plus forts. Il tire de loin, il tire de près. Donc en fait, c'est... T'as pas besoin d'autre gun, quoi.
Donc c'est compliqué. Alors après, oui, il est super cool à utiliser. Ça, c'est pas le problème. Mais bah du coup, c'est con parce que toutes les autres armes, on s'en bat les couilles, quoi. L'Aligo, c'est au même niveau que Gurren Lagann. Tu fais ce que tu veux au niveau de cette info. Ah bah oui. Là, va falloir un peu d'imagination parce que j'ai du mal à me représenter, là. Ouh, la vache. Casse-toi. Ok. En fait, je trouve qu'il y a pas assez de salles avec un gimmick intéressant. C'est vraiment juste, tu rentres dans une salle, t'as des trucs à buter. Tu rentres dans une salle, t'as des trucs à buter. Il y a pas de... Il y a un truc qui me tire dessus ou je suis fou, là? Non? Non, c'est bon. Il y a pas assez de salles avec ouais, des trucs marrants, mais... Ça, par exemple, c'est pas marrant, tu vois. Ça, c'est vraiment un coup de pute. Attends, Ruru, t'as jamais bouffé d'aligo? Non, jamais. De fondu, d'aligo, j'ai jamais mangé tout ça. Et c'est con parce que je suis sûr que l'aligo, je vais bien kiffer en plus. Mais non, jamais, never ever. Désolé, hein, je sais que c'est très décevant pour beaucoup de monde. Ok. Et bah du coup, voilà, c'était entre guillemets la première map qu'on aurait dû faire avant la deuxième. Et maintenant, bah, tu peux regarder le paysage. C'est tout, enfin, y a rien d'autre, je crois, de toute façon. J'ai chopé des trucs, mais à quoi ça peut bien servir? J'imagine à rien. Attends, fais voir. Non, ça a pas ouvert d'autres passages, on a fait deux mondes et c'est fini, ouais. Ah, je crois que c'est tout, hein. Pour une démo, ça a une bonne durée de vie. Bah, c'est pas vraiment une démo, c'est de l'early access. Donc, ils l'auraient vendu comme une démo, pourquoi pas, mais c'est vendu surtout comme de l'early access. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il était sorti d'early access, mais pas du tout, en fait. Donc, non, c'était pas mal, quand même. Attends, est-ce que je peux... Ouh ! Oh, il est bon, le con. Oh, il est bon, le con, regarde. Oh, magnifique. Et je suis... Eh, non ! Non ! Ok, c'est bon. Ok, ah ! Allez, j'ai pas la clé. Ouais, ça va être juste des... J'imagine que ça va pas être des concept art, hein, ça va être juste des conneries. Ouais, bah écoute, on a fini. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous ? En tant que viewer bien adroit et très sympathique au demeurant, à part deux. Y a pas de clé dans le coin, là ? Non, y a pas de clé, je crois. Sur 10. Oui, il n'y a pas de boss. C'est vrai qu'il n'y a pas de boss maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'on a vu aucun boss. Ah, c'est bizarre ça. Bon, du coup, j'imagine qu'ils vont quand même en rajouter. Parce que même dans Quake, il y a des boss, quoi. Donc, enfin, il y a des boss en fin d'épisode. Mais bon, au moins, quoi. Et en plus, le boss de Quake 1, c'est un peu de la merde. Ah, il me semble... Je sais plus si c'est... Dans Blood, il y a des bons boss. Qui sont ultra galères de... J'avais hésité à vous streamer Blood ce soir d'ailleurs. Et en y réfléchissant en fait, je me serais galéré Lionf. Et ce qu'il est vraiment très très dur, c'est un jeu qui est très très dur Blood. Même avec le Fresh Supply. Donc le genre de remaster, j'ai envie d'appeler ça largement. Qui est sorti il y a pas longtemps. Mais il est vraiment super super dur. Ils ont teasé des boss sur Discord. Bon bah oui, ouais. Bon bah c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, je préfère Dusk. Ok, ouais. Moi aussi pour l'instant je préfère Dusk. Ça dépend ce qu'ils vont faire avec après, mais c'est vrai que pour l'instant, Dusk supérieur, Dusk gagnant, Dusk, hein. Je préfère aussi largement Medieval. Est-ce que j'ai des trucs que je peux montrer? Depart, ok? Est-ce que je peux montrer quelque chose Tiens, en Outlander, qu'est-ce que ça donne? Le lore de Dusk était génial. Bah ouais, il y avait toute une surprise à la fin avec avec des boss un peu bizarres, avec le principe de d'être worthy ou pas, etc. Où tu te bats contre en fait le premier Dusk Boy, mais Duskman, Dusk Dude, le Dusk Dude. Mais ouais, c'était sympa, c'était vraiment cool et ça manque un peu dans Wrath, mais je pense que le jeu est moins fait pour, peut-être, je sais pas. Dusk ou Medieval, ça c'est très très dur. Ça, c'est très très dur. Pour l'instant, comme j'ai pas fini Dusk... Comme j'ai pas fini Medieval, pardon. Ouh. Parce qu'en fait, j'attends que Momo le finisse en stream pour le faire ensuite, moi. Comme ça, je découvre un petit peu en même temps que lui.
Ils sneak toujours en one shot, eux, ouais. Du coup, là, je refais la première map. Du coup, la première map que moi j'ai vécue en premier. Et qui, du coup, quand tu l'as fait en premier, je trouve qu'elle est mieux introduite que ce qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, je sais pas ce que ça fait Outlander. Je sais pas ce qu'ils ont gonflé. S'ils ont juste augmenté les PV des ennemis ou pas. Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Le lanceur de planète, il est aussi dans Hunter de Gungeon. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est l'Enterprise en plus. Je crois que c'est ça, le gun qui lance des planètes dans Gungeon, il a une gueule d'Enterprise. Ah bah c'est ici. Ah bah non, on l'a déjà vu celui-là. Espèce d'handicapé mental. Ok, voilà. Le gun. Tu vois, il est dans une petite salle et tout, c'est sympa. Je sais pas, il y a un genre de mise en scène qui est cool. Allez, venez les gars. Mais je pense que... Dusk pour le gameplay, Medieval pour le level design et le reste. Ce qui est Dusk est vraiment solide. Très blood dans son approche. Mais Medieval, il est tellement étrange et tu vas dans des coins qui sont tellement dépaysants que j'aurais tendance plus à dire Medieval. Mais bon, écoute, faut voir la suite. Faut voir les prochains niveaux. Parce qu'il y en a des niveaux qui sont aussi incroyables dans Dusk, hein, mais c'est des... Le niveau dans le laboratoire, là, avec le mec complètement taré, et le niveau qui s'inverse, etc. C'est pas mal. Ouais, je sais pas trop ce que ça change. Non, oui, c'est juste beaucoup plus dur, en fait. Je prends plein... Putain, mon compteur, il a fait clic et ça m'a fait peur. Ah, bah tiens. Pas un truc qui font clic. Oh, merde. Mais ouais, je sais pas encore. Donc oui, en fait, c'est pas trop intéressant l'autre mode de difficulté. Je pensais qu'il allait avoir des trucs un petit peu fun, genre un petit peu comme dans Doom, où le mode... donc c'est pas ultra violent, c'est Nightmare. Dans le mode Nightmare, les ennemis, ils reviennent à la vie. Je pense que ça aurait été intéressant, tu vois, mais là, c'est juste un mode très très dur, quoi. Bon, bah écoute... Je préfère Medieval, perso. Mais ouais, je pense que vraiment, l'ambiance joue beaucoup en faveur de Medieval, donc... je pense que je dirais aussi Medieval. Mais pour l'instant, je trouve que Wrath, c'est super, super solide. Ça demande juste un peu plus de contenu, évidemment. Il y a 2-3 problèmes, ouais, je trouve que la balance des armes est pas top. Je pense qu'il devrait modifier un petit peu le tir secondaire du shotgun, augmenter la précision du Fangspitter, faire peut-être des effets de dégâts de zone avec le Redshirt. Après, ils vont rajouter des nouvelles armes aussi, donc apparemment ils ont tease des boss comme disait Momo, et ils vont aussi rajouter des armes en même temps qu'ils vont rajouter des niveaux. Donc ça peut quand même être, tu vois, il va y en avoir du contenu, quoi. Mais ouais, pour l'instant ça me laisse quand même un petit goût de pisse, mais pour un jeu qui est fait par un mec tout seul et aussi joli, même si finalement il y en a eu beaucoup de la réutilisation d'assets, c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Et il y a des nouvelles pour le FPS rétro sur la légende arthurienne. Alors j'ai pas été voir le Discord depuis un bon moment. Je crois qu'il s'appelle Arthurian Legends d'ailleurs. J'ai pas été voir depuis un moment, mais je crois avoir vu passer sur Twitter des updates. Donc je pense que ouais, ils sont en train d'avancer dessus. Donc on verra au moment où il sortira, j'essaierai de le montrer, je pense. Ou Momo, ou je sais pas, on verra un petit peu qui y joue. Avec Momo, en fait, on s'échange des jeux. Par exemple, la dernière fois, on parlait de Hexen et Hérétique, je crois. Parce que moi, je vais montrer Hexen, lui va montrer Hérétique. Et puis, il y a un moment, il disait, ouais, je peux montrer ce WAD-là, mais genre, ah bah tiens, garde Iron Maiden, moi je garde ça, etc. En fait, on s'échange les FPS rétro avec Momo. Il y a un FPS un jour qui avait été présenté qui ressemblait énormément à Painkiller par les mecs de People Can Fly. Je sais pas du tout où ça en est. Ça me dit rien comme ça. Mais il y a un autre jeu qu'on va essayer de montrer aussi avec Momo. Je vais le montrer un peu en vidéo, tiens. Vu qu'on est là et puis qu'on glande, quitte à faire. Celui-là, je pense que vous en avez déjà vu un petit peu ou entendu parler. Qui a l'air vraiment sympathique. It's just the beginning. Ça a l'air brut un petit peu. Mais pour le coup, j'ai l'impression de voir le bébé bâtard de Half-Life, Wrath,
Et Quake, en fait. Lui aussi, ouais, lui aussi, le mec est tout seul. Non, je confonds, je sais plus si Wrath... Si, je crois que Wrath aussi, il est tout seul, le gars, mais je suis plus certain. Mais ça a l'air plutôt sympathique. Regarde. Avec une vraie Gatling qui chie du plomb, mon gars, en spray. Avec ton perso qui a des gants de shooter de lycée américain. Non, ça a l'air sympa, non? Je pense que ça peut être sympa. Alors c'est pareil, par contre, au niveau ennemi design, ça casse pas trois briques à un canard, mais bon. Non, moi je pense que ça se tente, tu vois. Quand l'ennemi a mal, d'ailleurs, ça fait un bruit de Quake. Ah, ça s'appelle Hellhunt. Et ça a l'air sympa. Bon, par contre, au niveau soundtrack, c'est pas ça. Mais bon, je te dis, le mec, il bosse tout seul. Ça se trouve, il est pas musicien. Donc, alors, bah, du coup, je vais aller sur What the Golf. Histoire de voir un petit peu de quoi il en retourne pour le reste de la soirée. D'accord? On fait comme ça. Je reviens dans quelques secondes. Je vous laisse avec une petite chanson à la con. Avec quoi je vais vous laisser, tiens? Avec quoi je vais pouvoir vous laisser juste quelques secondes? Qu'est-ce que j'avais? Je voulais vous passer un truc tout à l'heure. Tiens, regarde. Je vais vous passer ça. À tout de suite, les gars, partez pas.